We'll walk in the light, beautiful light comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Oh, hallelujah, praise God, God be praised. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Oh, what can we say, Father? Oh, que pouvons-nous dire, Père? Hallelujah. What can we do? Que pouvons-nous faire? Lord, we don't have enough words. Seigneur, nous n'avons pas assez de mots pour te louer, pour te remercier. We wish we had the tongues of angels. Nous souhaiterions avoir les langues des anges. Hallelujah. Oh, Lord, surely thou hast picked us up another. Seigneur, certainement tu nous as emmenés un octave plus haut en criant Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Combien nous te remercions, Seigneur, d'avoir ressuscité notre sœur Nelly Brisbane des morts et de l'avoir sauvée, Seigneur. Oh, que pouvons-nous dire? Hallelujah. Et tous les autres témoignages, sœur Alexander, complètement guéri de pneumonie. Les docteurs l'ont libéré, Seigneur, et ainsi beaucoup d'autres. Gloire à Dieu. Que pouvons-nous dire? Amen. Let us bow our heads for a word of prayer. Coupons la tête dans un mot de prière. Almighty God, Dieu Tout-Puissant, as we have gathered here, alors que nous sommes rassemblés ici dans l'école de Forest Hills, une petite réunion pour nous rassembler. La plupart des jeunes, des officiers sont partis. Ainsi, nous sommes venus ici. Il y a encore beaucoup de bagages à faire et clôturer, terminer tout. Nous sommes heureux d'avoir cette école supérieure ici pour avoir cette réunion. Gloire à Dieu. Où nous pouvons tous nous rassembler. Seigneur, nous te remercions pour tous les visiteurs d'Afrique, d'Afrique du Sud, d'Europe, du Chili, de Porto Rico. Et Seigneur, d'où qu'ils viennent, nous en voyons ici d'Arizona et de Tulsa et de Floride. Ils se sont tous rassemblés ici. Oh Dieu, puisses-tu déverser le Saint-Esprit sur eux, qu'ils sachent que ceci n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de l'homme. Christ Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Et tous ces gens qui sont debout et qui crient, non pas à cause d'un homme qui se tient ici à la chair, mais ils sentent l'onction, alléluia. Et Dieu agit, Dieu est en train de faire quelque chose. Et s'il ne le faisait pas, eh bien alors les pierres crieraient, gloire à Dieu. Merci Jésus. Combien nous apprécions frère Bellomo d'avoir témoigné ce témoignage juste sur le champ et pour avoir chanté ce beau chant. Combien nous l'apprécions, Seigneur. Bénis les musiciens et bénis tous les diacres et tous ceux qui aident. Les techniciens du son et tout le monde, tous ceux qui sont rassemblés, qui vont apporter l'équipement, Seigneur, et sur la route, frère Norman, frère Junior Boudreau et tous les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et maintenant, Père Céleste, nous te prions pour Johan et ses fils, Seigneur. Qu'ils puissent renverser la marée, Seigneur, comme on pourrait dire. Amen. Seigneur, tu lui as dit quand elle était censée partir. Maintenant, il semble que la date a changé. Mais Seigneur, tu ne changes pas. Tu peux rechanger la date. Alléluia. Puisses-tu tomber sur elle maintenant. Parle-lui et encourage son cœur.
pour qu'elle sache qu'elle sera à Penharris quand elle est censée être là. Hallelujah. Et nous nous reposons là-dessus avec Jason et Philippe et Ariel. Ils seront tous là, gloire à Dieu. Hallelujah. Parce que tu l'as ordonné et que tu l'as commandé. Ainsi, nous nous reposons entre tes mains, Père. Et maintenant, Seigneur Dieu, hallelujah. Puisses-tu me fortifier, Seigneur, pour quelques paroles, une petite exhortation pour les gens. Oins-moi et déverse le Saint-Esprit. Et ceux qui cherchent le Saint-Esprit, Seigneur, puisses-tu les remplir. Et ceux qui ont besoin de guérison, une touche dans leur corps, Père, alors que la parole est en train d'être prêchée. Alléluia, la parole étant parlée. Seigneur Dieu, que le feu tombe sur eux et les guérisse et les remplisse et les scelle et les réemplisse, Seigneur. Et que ceci soit un grand jour puissant, un prélude, Seigneur, à la convention qui arrive. Et bénis Jonathan, Seigneur, alors qu'il est en train de coordonner toute la retraite des jeunes. Il a fait un travail formidable, Père, en coordonnant tout. Bénis ses aidants, Seigneur, frère Joey Jr. et les autres, frère Norman, sœur Rebecca, ceux qui ont aidé, sœur Laurie et les autres, bénis-les tous alors qu'ils sont là maintenant en train de planifier les activités. Puisses-tu retenir la pluie, hallelujah, et retenir le temps froid, que ce soit une retraite de jeunes parfaite, et que tous ceux qui sont venus dans un état rétrograde ou qui ne te connaissent pas, puisses-tu les arracher au monde, hallelujah, gloire à Dieu. Amen. Et que cela soit une grande apogée mercredi soir, dimanche, jeudi matin, jeudi soir pour les jeunes gens. Et maintenant, bénis les paroles qui seront lues. Prendrons soin de donner la louange et la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Alors que vous êtes debout maintenant pour la lecture de la parole, j'invite votre attention dans Josué au 14e chapitre et Éphésiens 1 et Éphésiens 4. Well, good morning. Eh bien, bonjour. Well, good morning. Eh bien, bonjour. Well, amen. Hey, amen. Thank you, my brother. Merci, mon frère. Gloire That's à Dieu. What I wanna hear. Voilà ce que je veux entendre. Amen. Amen. Amen, brother. Amen, frère. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Not one of this, amen. Non pas de ces petits amen. Yes, all dead being raised. Les morts sont ressuscités, tout le reste. Je m'attendais à ce qu'on crie et que je recule jusqu'au rideau. Amen. Alléluia. Okay, it's Joshua 14, verse Josué 14, verset 6. The children of Judah came unto Joshua in Gilgal. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnéa. Amen. 40 years old was I when Moses the servant of the Lord sent me. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture dans mon cœur, non pas dans sa tête. C'était dans son cœur. Amen. Nevertheless, my brethren that went up with me, mes frères qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple et lui firent fondre son cœur. Mais j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse jura en disant, certainement le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. N'est-ce pas merveilleux d'entrer dans le Saint-Esprit pendant toutes ces années? Et peu importe s'ils comprennent ou pas, l'onction tombe, vous criez, vous prêchez comme c'est ici maintenant. Alors un jour, certainement, tout le pays que vous avez foulé par le Saint-Esprit aujourd'hui vous appartiendra. Ça n'a pas été fait pour rien à Trinidad et en Europe et en Afrique du Sud. Ce n'était pas pour rien à Porto Rico, c'était l'onction qui est tombée. C'est ce qui m'appartiendra. Alléluia. Je pensais peut-être que vous alliez le saisir. Amen. Ainsi donc, chaque réunion que vous aurez avec l'onction, il ne devrait pas y avoir de visage triste ici comme si vous ne receviez rien. Ça devrait être dans votre cœur. Alléluia! Ça va m'appartenir! Oh, OK. OK.
And now behold the Lord, verse 10. Et au verset 10, maintenant, voici l'Éternel m'a gardé vivant, comme il l'a dit, il y a 45 ans, lorsque l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans, je suis encore aussi fort aujourd'hui qu'au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, il y a longtemps. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakims, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron comme héritage. Hébron est devenu ainsi l'héritage de Caleb, le fils de Jephunné, le Kénésien, jusqu'à ce jour, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'a pas chancelé, il n'a pas rétrogradé, il est resté là directement, malade, fatigué, qu'est-ce quoi que ce soit. Dieu va m'adopter un jour. Dieu va me remplir un jour. Sans jamais faire marche arrière, il n'y a pas de marche arrière en lui. Il n'y a pas de marche arrière dans un Caleb. Ephesians 1, Ephésiens 1, verse 3, verset 3, God and Father, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés à l'adoption des enfants par Jésus-Christ en lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 4, j'ai lu ceci dans Ephésiens 4, plutôt, 7. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ceci pendant ces 3-4 derniers mois dans le message. Verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, que cela puisse vous être révélé ce matin, selon la mesure du don de Christ. Pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que tous nous soyons parvenus à l'unité de la foi, amen, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, que Dieu vous bénisse ce matin, je suis heureux de vous voir. Maintenant, on a annoncé tous les visiteurs, ici je vous salue tous de partout. Et je crois qu'il y a un frère ici, un frère Bernard d'Afrique du Sud. Frère Bernard, où es-tu? Là-bas. God bless you, Brother Bernard. Que Dieu te bénisse, Frère Bernard, d'Afrique du Sud, de Johannesburg, l'église de Frère Raymond Thompson. Que Dieu te bénisse, frère. C'est bon de te voir. Je crois que Frère Henry, est-ce qu'il a été présenté, Frère Henry Andrews, de Tchécoslovaquie? Que Dieu te bénisse et ton épouse. Juste pour m'assurer, je veux vérifier, m'assurer que tout va bien. Gloire au Seigneur. Je vois quelqu'un de Tulsa ici, je crois, frère Isaac. Lève-toi, mon frère. Amen. Tulsa, frère Musgrove. Nous avons quelques visiteurs ici, je pense, frère Noriega, de l'église de frère Perry Green à Tucson. Frère Noriega, tu veux te lever? Et l'ami qui est avec toi, que Dieu te bénisse. Amen. Je ne crois pas que tu es parent avec l'autre Noriega. Non, c'est d'autres Noriega. Eh bien, nous sommes heureux d'avoir tout le monde ici, de Tucson, de Tulsa, de partout. Amen.
Vous pouvez en parler au monde. Vous pouvez en parler aux nations. Vous allez sortir et leur dire que le Saint-Esprit est venu. Gloire à Dieu. Et il a mis de la joie, de la joie, de la joie dans mon âme. Dieu sait comment émettre. Dieu sait comment passer à la radio. Vous ne devez pas vous inquiéter à ce sujet. Alléluia. Amen. Très bien maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Amen, frère Norman. J'ai un titre. Posséder. Regardez maintenant, écoutez. Posséder votre héritage individuel dans le pays promis. Avez-vous saisi cela? Quand vous atteignez une certaine phase, bien que nous soyons tous dans le message, mais un temps arrive où Caleb reçoit son héritage. Et tous les autres sont encore dans le message. Mais Caleb se tient là. Et vers cette troisième phase, il dit, donne-moi cette montagne. Et Caleb connaît au sujet de cette montagne parce qu'il est allé là auparavant. Et si jamais vous grimpez le mont Pyramide, 2 Pierre 1, 4 à 7, alors vous en savez quelque chose. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Possédez votre héritage individuel dans le pays promis. Et mon sujet, le placement du fils adulte. Saisissez bien maintenant ce que je veux dire. Je ne veux pas dire un bébé. Je veux dire un fils adulte en position de puissance et d'autorité. Amen. Nous ne pouvons pas rester des bébés tout le temps. Nous ne pouvons pas continuer à ajouter, ajouter, grandir, grandir. Il doit venir un jour où nous sommes des adultes. Et lorsque nous devenons un adulte, alors nous sommes placés en position d'autorité et de puissance dans le message. Mon inspiration, pouvez vous asseoir. Eh bien, si c'est le cas, now, therefore, give me this mountain. Ainsi donc, donne-moi cette montagne. Any questions? Y a-t-il des questions? Any doubts? Y a-t-il des doutes? What are you here for? Pourquoi vous êtes ici? What are you looking for? Qu'est-ce que vous cherchez? Give me this mountain. Donne-moi cette montagne. Yes, sir. Oui, monsieur. So we certainly thank God. Nous remercions certainement Dieu pour tout ce qui est arrivé. Je vais vous remercier tous pour les cartes d'anniversaire. Les salutations, ainsi de suite. Et tous les visiteurs ici, que le Seigneur vous bénisse richement. J'essaie de gagner du temps. Ainsi, j'ai demandé que Frère Belomo présente tout le monde, ainsi de suite. Parce que le temps s'enfuit rapidement, ainsi nous devons terminer ici pour 2 heures. Et le temps passe rapidement. Je désire remercier tous les croyants, les frères et les sœurs de mon Église, qui ont cuisiné, qui ont nettoyé, qui ont donné leur contribution, tant de manières pour rendre nos visiteurs confortables. Je veux les remercier, certains comme frère Nelson Hess, qui a été une formidable bénédiction pour tous ceux qui sont venus ici. Et aussi Jonathan et Lauren, qui ont donné leur maison à frère et sœur Garcia de Puerto Rico Ponce, et ce frère et sœur Chavez, qui ont hébergé frère Alvarez du Chili, et qui ont cuisiné et tout le reste, et puis sœur Iris, qui a donné une chambre hier, et d'autres, sœur Rachel et sœur Robledo, sœur Chino, et sœur Pat Lee aujourd'hui, et qui a les jeunes gens dans sa maison, si nous voulons remercier Dieu pour ça. Et pendant que je parle de ça, tous les croyants et les visiteurs d'Afrique et d'Afrique du Sud, et de France et d'Angleterre, vous êtes invités à avoir un dîner avec nous dans le sous-sol de l'église. Et le traiteur Wing, ce sera lui qui fera le service traiteur. Amen, gloire à Dieu. Et tous les jeunes gens, vous irez dans la maison de Sir Pat Lee et vous verrez frère Nathaniel et Sir Sharon Goico là-bas à l'arrière. Et tous les autres, vous verrez frère Riddle. Il organisera tout ça là-bas à l'arrière. Et puis j'ai des amis dans le ministère ici, frère et sœur Colin Brenner, frère et sœur Andrews, frère Peter Chandler et frère Blewett. Je désire vous parler, ainsi attendez-moi après. Eh bien, gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur, ainsi que le Seigneur vous bénisse richement, et tous ceux qui ont contribué de tant de manières pour bénir nos visiteurs. Je désire remercier l'église de New York spécialement
pour votre comportement, pour votre attitude et l'affection fraternelle à Penn Harris. Il y en a beaucoup qui ont cédé leur chambre. C'est une véritable bénédiction pour moi. Ça montre que vous êtes en train de devenir des adultes. Amen. Et si vous ne l'aviez pas fait, et si tout le monde à New York City avait gardé sa chambre à Penn Harris, alors ce serait la convention de New York, parce que les autres gens devraient aller à l'Holiday Inn ou d'autres ou ailleurs. Comprenez maintenant ce que vous faites. D'autres mots, nous devons les avoir à Penn Harris afin d'avoir une réunion de Penn Harris. Sinon, ce serait une réunion de New York. Nous ferions aussi bien de rester ici. Gloire au Seigneur. Très bien. Et si nous remercions Dieu pour frère Bellomo, et la formidable responsabilité de coordonner tout, je ne vais même pas parcourir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il a pris soin de tout. Amen. Et frère Riddle et frère Puma, les diacres et les huissiers, frère Norman, et frère Junior Boudreau et leurs épouses, ainsi nous remercions Dieu pour eux tous. Et Joey Jr., c'est Becky et Norman, je crois, le Saint-Esprit, ça plaît au Saint-Esprit, il va nous bénir d'une façon formidable dans sa bénédiction, ainsi que le Seigneur vous bénisse et vous puissiez avoir un voyage sûr vers la retraite et les réunions. Ainsi donc, j'apprécie certainement le chant de frère Bellomo, le miracle, Amen. Le témoignage du 14 juin, je veux dire le témoignage du 16 juin, et ainsi de suite. Et comment le Saint-Esprit. Sir Nelly Brisbane, où es-tu? Veux-tu te lever ici afin que nous puissions te voir? La voilà. Ressuscité des morts. Gloire à Dieu. La méthadone, quoi que ce soit. Dites-moi que le sang de Jésus-Christ ne peut pas emporter la méthadone, le crack, hein? Toutes sortes de drogues, n'importe quel démon, n'importe quelle maladie de votre flux sanguin et le purifier. Gloire à Dieu. Alléluia. Ô Église, où en sommes-nous? Amen. Que Dieu te bénisse, Brisbane, ressuscité des morts. Et Sir Ruby Wingate qui a tenu ferme pour sa fille et sa famille. Vous savez ce qui s'est passé ce matin? Je veux dire, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce fils égaré, cette fille égarée, hein? Des ivrognes qui se tiennent là, mais lorsque vous devenez un adulte en Christ, gloire à Dieu, alors vous chassez les démons. Rends-moi Satan, rends-moi. C'est déjà arrivé. Nous sommes déjà là. Amen, frère Larry. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez où vous en êtes? Mon Dieu, nous y sommes. Amen, frère Hunt. Alléluia. Oui, vous asseoir. Le temps de la famille. Vous savez, pendant des années, le temps de la famille, c'est ici. Amen. Frère Seaman arrive. Amen. C'est un signe. Amen, sœur. Eddie arrive. Tu le crois, sœur Gonzalez, gloire à Dieu. Et tes filles, elle a la foi. Voyez, la foi est donnée aux gens. Alléluia. Oui, vous asseoir. Ainsi, la troisième phase signifie que la famille arrive, peu importe leur état de saleté. Qui ils sont, cela n'a rien à voir. Alléluia. S'ils sont ordonnés, il les appelle comme ils sont. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Très bien. Un signe. Amen. Et en prêchant sur la voix de l'archange. Amen. Identifié sur la troisième phase. Est-ce que la troisième phase pourrait être en route, prête à se connecter au troisième pôle de Malachi 4? Voyez, à travers nos premiers et deuxièmes pôles pendant 18 ans avec des citations et ainsi de
ainsi de suite, ils ne pouvaient toujours pas comprendre. Si jamais nous atteignons cette troisième phase, la place en Christ, alors automatiquement, nous sommes connectés au troisième pôle du prophète, qui est l'ouverture de la parole pour vous. La voix de l'archange qui tonne les sept tonnerres dans vos âmes. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que cela peut avoir commencé? Pouvez-vous vous asseoir? Est-ce que la troisième phase a commencé, prête à se connecter au troisième pôle de Malachi 4, l'ouverture de la parole mystère de cette tonnerre aux gens par une révélation en train de révéler vos droits de rédemption dans le pays promis? Donne-moi ma montagne, gloire au Seigneur. Rends-moi mes enfants, gloire à Dieu. Ils m'appartiennent. Ils ne sont pas à toi, Satan. Gloire. Hallelujah. Hallelujah. Oh my. Oh là là. Regardez ce qui est arrivé ce matin. Un tremblement de terre à Los Angeles, à 4h du matin, dimanche matin. 6,7 sur l'échelle de Richter, et qui a duré environ 60 secondes. Et on l'a ressenti à 500 km. Et ils disent là, la radio l'a annoncé que c'était différent. La raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de dommages, c'est qu'il roulait, comme cela. Ce n'était pas un tremblement de terre raide, et tout était renversé, mais cela a roulé. Oui, c'est un autre Hallelujah. Signe, cela se rapproche. Alléluia. Gloire à Dieu. Très bien maintenant, une petite exhortation sur une pensée, juste pour vous encourager. Ça va se raccorder à cette convention. Amen. Ainsi, gloire à Dieu. Une petite pensée, posséder votre héritage individuel. Regardez, c'est individuel. Gardez ça bien à la pensée, pas tout le message, pas toute l'Église. Ça veut dire des individus à New York City qui n'ont rien à voir avec personne d'autre dans le message. Ils peuvent être adoptés. Amen. Ça n'a rien à voir avec personne d'autre. Don't have to see Big Zedekiah. N'a pas voir le grand Sédécias, le grand évêque. Don't have to go look to him. N'a pas aller les voir. Sédécias, puis-je être adopté? Est-ce que j'étais un bon gars pendant 18 ans? Hallelujah. Hallelujah. Amen. You may be seated. Yes, sir. Oui, monsieur. Et aussi un volcan. Un volcan est entré en éruption en Alaska. C'est étrange. Amen. Ainsi maintenant, nous savons que le pays promis naturel aujourd'hui, c'était dans le naturel dans le temps de Josué, mais aujourd'hui, c'est spirituel, le pays promis du Saint-Esprit. Comprenez cela. Et ils ont combattu dans un pays naturel. Est-ce correct? Ils devaient se battre. Ils étaient fatigués. Ils ont travaillé. Maintenant, regardez. Ils sont entrés dans le repos quand ils ont franchi le Jourdain. Ensuite, ils ont œuvré pour entrer dans le repos. J'ai le Saint-Esprit. Tu dois travailler. Tu dois te battre. Tu n'as pas terminé. J'ai le baptême. Non, tu dois œuvrer pour entrer dans le repos. Le Saint-Esprit est la charité. C'est le résultat final. Mais vous êtes baptisé pour combattre le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Pendant presque 2000 ans, après environ 2000 ans, finalement, cela a été libéré par le message de Malachi 4, cela a été libéré comme le nouveau pays. Et les gens dans le message ne comprennent pas que le Fils de l'homme, Christ, voilé en William Branham, a libéré le Saint-Esprit qui était lié au fleuve Euphrate depuis environ 2000 ans. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais il n'a pas pu le libérer sur votre chair. Il y a beaucoup de pentecôtistes dans le message. Il y a beaucoup de faux oints dans le message.
Ainsi Dieu ne pouvait pas faire cela. Sinon ce serait continuer de la Pentecôte à la Pentecôte. Ainsi il l'a libéré comme la parole. De retour à la Bible. Comme la parole l'a promis. Ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi je ne sais pas pourquoi il se fâche contre moi. Cette tonnerre m'appartienne. C'est une promesse. Prenez-la. C'est un bon pays. Vous pouvez asseoir, gloire au Seigneur. Vous avez saisi maintenant le Fils de l'homme en Saint-Luc 17, 30, en Malachie 4, a révélé Apocalypse 10 et tous les mystères, les sept sceaux, les sept tonnerres. Mais il est venu comme mécanique vers nous, la parole, une promesse. Je ferai ceci, je ferai cela, ainsi et comme ça. Et vous le prenez dans votre cœur. Mais il ne vient pas seulement vers vous sous la forme de la mécanique, mais il manifeste aussi cette parole. Est-ce que c'est le temps pour une manifestation? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici avec Nelly Brisbane, frère Ortiz, Conanta, le garçon Coleman, frère Galvez? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Cinq miracles directs. Amen. Je vois une nuée comme une main d'homme. Oh, levez-vous. J'entends une abondance de pluie. Mon Dieu, gloire à Dieu. Allons-y. Hallelujah. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi donc, le Fils de l'homme, dans le message, a libéré des promesses de la parole. Et les ministres étaient censés le prêcher, mais ils avaient peur. Alléluia, des méduses. Ça me fait souvenir des 10 espions. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez, frère Fiore, frère Coleman, bon anniversaire. J'ai dit, tu penses que j'ai 65 ans? J'ai dit, j'ai 56. J'ai dit, 56, j'ai dit, oui, 56. Si tu veux le retourner et dire 65, ce sont tes affaires. Mais j'ai 56 ans. Il n'y a que 11 ans de différence. Un ouvrier de la 11e heure, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et peut-être aujourd'hui, je serai aussi fort que je l'étais quand j'ai commencé. Peut-être aujourd'hui, je vais recevoir ma force. Amen, frère. Hallelujah. Je vais la recevoir. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Let's move on. Avançons. All right, friends. Très bien, les amis. Everybody in this message, tout le monde dans ce message, peu importe la forme dans laquelle ils sont, avec ou sans le Saint-Esprit, vous vivez par l'évidence du nouveau pays. Amen. Le Fils de l'homme. Ainsi, peu importe ce que vous dites, voilà pourquoi vous êtes vivant aujourd'hui et que vous n'êtes pas aveugle, pauvre, misérable et nu et que vous ne savez même pas dans Laodicée. Amen. Amen, le Fils de l'homme. Et aussi longtemps que vous restez dans cette onction du Fils de l'homme, vous êtes vivant. Et lorsque vous venez là avec des interprétations et vos idées, vous êtes mort. Aussi longtemps que vous pouvez dire, cette tonnerre donne la foi, vous êtes vivant. Le temps d'adoption, la perfection, vous êtes vivant. La dynamique sur votre mécanique. Qu'en est-il de notre jour? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ainsi maintenant nous savons que nous sommes dans le pays et que nous sommes vivants. Gloire à Dieu. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je vais le recevoir. Amen. Et si je l'ai, je vais avoir un remplissage. Amen. Et si je suis déjà si haut, là, je vais être adopté. Ainsi vous devez recevoir quelque chose. Je suis assis là ici rétrograde. Eh bien vous allez être délivré. Hein? Pourquoi? Vous êtes dans le nouveau pays. Amen frère Isaac. Gloire à Dieu. Et Dieu t'a donné Rebecca frère. Amen. Hallelujah. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il n'y a rien qui n'aille pas avec ça. Gloire à Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Alléluia. Ok. L'adoption. Adoption, page 6. Adoption, page 6.
Un petit enseignement ici pour relier tout ensemble. Ainsi vous saurez d'où ça vient. Pas de moi. Quelques minutes, je vais toucher les citations ici et là, puis nous allons aboutir ici. Les vainqueurs ici, page 6, l'adoption, première partie dans le livre des Éphésiens. Comme je venais de dire, mon opinion, l'un des plus grands livres du Nouveau Testament, il nous conduit en avant. Le calvinisme va ici sur une branche et l'arménianisme sur une autre branche, mais le livre des Éphésiens nous rassemble ensemble et place positionnellement l'Église. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, dans se tenir dans la brèche, il parle ici du songe de Junior Jackson et de la pyramide, de la pierre de fête. Il dit que après tous ces points en suspens, il dit que le septième ange viendrait à la fin pour rassembler tout ensemble, pour nous ramener à une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un autre Éphésien. Et Éphésiens est le seul livre ici qui nous rassemble avec les mille idées différentes qu'il y a dans le message. Mais quand on commence à arriver dans les Éphésiens, alors ils perdent leurs idées. Hallelujah. Ils commencent à parler de l'adoption, de la perfection, d'un quintuple ministère. Hallelujah. Ils le perdent. Si jamais ils reviennent à la parole, mais vous ne pouvez pas les faire revenir à la parole. Amen. Maintenant, Canaan ne représente pas l'âge du millénium, il ne représente que l'âge des vainqueurs, vous voyez, la dispensation des vainqueurs, parce qu'en Canaan, ils ont tué, ils ont brûlé, ils ont pris des villes, mais il n'y aura pas de mort dans le millénium. Maintenant, qu'est-ce que le pays promis pour le croyant du Nouveau Testament? La promesse est le Saint-Esprit. Car il arrivera dans les derniers jours, dit Joël 2, 28, que je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes serviteurs et mes servantes, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, des colonnes de feu, de la fumée et de la vapeur. Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Après avoir pris ce texte et va prêcher, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, pour ôter toutes les transgressions. Voilà votre pays promis. Vous croyez cela? Vous êtes dedans? Hallelujah. Oh oui, monsieur. Ainsi maintenant, nous voyons, gloire à Dieu, et à la page 7, mais les croyants, l'équipement de Caleb et de Josué, est-ce que vous n'êtes pas heureux d'avoir cet équipement? Gloire à Dieu. L'équipement de Caleb et de Josué. Caleb a attendu avec Josué. Amen. Page 58, dans la parole parlée, la semence originelle. Bien sûr, le pays promis arrivait en vue. Alléluia. Amen. L'équipement de Caleb et de Josué qui allaient vers la promesse. Ils se sont avancés dans le pays. Ils se sont emparés du pays. Et ils se sont établis dans le pays comme étant leur possession. Et nous ne sommes pas arrêtés à la justification, la sanctification, mais allons jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous arrêtons ici? Le Saint-Esprit est ici maintenant. Aujourd'hui, à Penharris. Oh, yes, sir. Oh oui, monsieur. Amen. Let's not stop. Ne nous arrêtons pas au fait de croire au Seigneur et d'être baptisé. Ce n'est pas le message. Ça, c'est dans Acte 19, c'est Apollos. Mais Paul est venu, gloire à Dieu, avec une idée différente. Paul est venu avec la foi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Voilà le message. Ne nous arrêtons pas parce qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Maintenant, nous avançons, nous pressons le pas vers une position. La promesse du baptême du Saint-Esprit, car Pierre a dit le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et vos enfants, sœur Wingate, est assise là, à côté de vous. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont loin, autant que le Seigneur en appellera. Les bébés, et puis, apostolique signifie que cela va vers vos enfants. Lorsque vous revenez au temps apostolique, alors ça revient, vous recevez le Saint-Esprit et vos enfants reçoivent aussi le Saint-Esprit. C'est apostolique. Et Frère Branham a dit que lorsqu'ils sont baptisés, écoutez-moi, et que ce nom du Seigneur Jésus-Christ est prononcé sur eux, Frère Branham a dit que c'est pour l'éternité. Ainsi, ne vous inquiétez pas de ce qu'ils font, vont-ils venir? C'est pour l'éternité. Ce sont des paroles éternelles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Praise God. Gloire à Dieu. Well, eh bien, hallelujah. Page 7. Page 7. Go page 84 here. Page 84 ici. Essayez de prendre ceci. 84-85. Vous êtes sauvés par la foi. C'est votre foi en Dieu. Le sang vous garde pur du péché parce qu'il fait un sacrifice. Le sang ne vous sauve pas. Le sang vous garde pur. Comment pouvez-vous dire que vous êtes sauvés? Vous êtes sauvés par la foi et par la reconnaissance de Dieu qui vous a appelé. Vous voulez dire que le sang des sept tonnerres nous a gardés purs pendant toutes ces années, et que la vie est dans le sang. Voilà ce qu'il en est, voilà pourquoi l'onction est ici. C'est le sang. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes sauvés par la foi et par la préconnaissance de Dieu qui vous a appelé. Vous êtes sauvés et le sang fait une expiation. Frère Branham dit dans question et réponse, il dit, les vierges folles typifient, reçoivent l'expiation, mais pas la plénitude de l'expiation. Et la plénitude de l'expiation sont les sept sceaux. Le septième sceau qui s'est ouvert avec les sept tonnerres sous le septième sceau qui est connecté à la venue du Seigneur, la plénitude de l'expiation. Et certaines autres vierges ne reçoivent pas cette autre partie. Eh bien, ils sont dans l'expiation, ils sont dans le message. Mais pas Caleb, alléluia, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Amen. Veuillez vous asseoir. Le sang fait une expiation constamment, vous gardant pur. Alors, par un seul esprit, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, dans la communion avec les croyants, dans la communion avec le Saint-Esprit, pour être conduits par l'Esprit. Regardez, en train de faire des signes et des produits. Voilà ce qui arrive maintenant. Amen. Frère Hunt, nous avons fait cela pendant des années, puis 1963, des signes et des prodiges à New York. Amen. 1969, le petit Alvy Douglas était ressuscité des morts en 1971, frère Perez, ça fait deux. Amen, gloire au Seigneur. Avançant, faisant des signes et des prodiges, nous arrivons à quelque chose. Alléluia, gloire à Dieu. Oh là là, non, pas juste comme ça par hasard, mais ça a continué d'arriver. C'est arrivé pendant 28 ans à New York City. Il y a quelque chose au sujet de New York City. Les faux prophètes, non. L'épouse de Jésus-Christ qui prêche la foi. Les morts qui sont ressuscités, des signes, des prodiges et des miracles. Un déversement du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Voilà ce qui se passe à New York City. Que chaque critique le sache aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dieu laisse de la place pour les critiques. Il laisse de la place pour que des critiques critiquent New York. Regardez combien de gens se lèvent tout le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Corneille s'est levé, que puis-je vous dire? À cause de l'onction. Mais des esprits paresseux ne veulent pas se lever, ils sont là dans une vallée, gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Eh bien, Dieu vous laisse de la place pour critiquer. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Conduit par l'Esprit faisant les signes des prodiges, voici maintenant mon point ici, page 85. Regardez, arrivant, attendant quelque chose, après avoir reçu le Saint-Esprit, des signes et des prodiges, comme Nelly Brisbane, ainsi de suite. Mais attendez, on arrive à quelque chose. Et nous y sommes ici ce matin. Pour devenir un adulte, pour trouver votre position. Vous avez saisi maintenant les signes, des prodiges, des miracles, des morts ressuscités. Mais malgré tout, on attend. On arrive à quelque chose. Premier poule, je veux dire première phase, deuxième phase. Attendez, on arrive à quelque chose. Cette troisième phase. Nous relions tout ensemble maintenant. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu. Page 89, prenons cela. Est-ce juste? Attendant. Dieu essaye de placer son Église en position. Voilà à nouveau. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour se manifester. Qui est-il? L'intelligence. La seule faculté qui bouge au-delà de cet œil prophétique de Malachi 4. J'étais dans l'Ouest et je prêchais en 1974 et des anciens sont venus vers moi et ils ont dit, frère Coleman, s'il te plaît, n'utilise pas ce mot intelligence parce que les gens ne peuvent pas le manier. J'ai dit, ok, comme tu veux.
Hallelujah, à toi la gloire. En 1974, je ne pouvais pas utiliser mon intelligence, mais je l'ai utilisé ici le 7 juin. Oui, monsieur. Amen. C'est notre promesse. C'est Christ, la pensée de Christ. Saint Jean 5, 19. Je ne fais rien à moins que le Père me le montre. Quelle harmonie entre Christ et son épouse. Et je ne peux pas utiliser ça. C'est la seule chose. Au-delà de Malachi 4. Et après Malachi 4, qu'est-ce que je suis censé faire ici, en dehors d'écouter les cassettes, lire la parole, qu'est-ce que je suis censé faire? Attendre l'intelligence. C'est une promesse, la pensée de Dieu. Amen. Ok. Pour se manifester en ayant un, voyez, l'individu. L'individu, en ayant un, au travers duquel il peut agir, comme ils disent, voici, là, mon esprit coule librement. Voilà. Vous voyez, combien, comment pouvez-vous voir son esprit? Comment pouvez-vous savoir que c'est son esprit? Lorsque vous le voyez, lui, émorphé comme le Saint-Esprit, dans l'Église, faisant des signes, des prodiges et des miracles, avec la même vie, les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même esprit. Voilà comment vous voyez son esprit. C'était la seule manière où vous pouviez voir son esprit revenir au travers du prophète et ensuite faire le discernement. C'est ainsi que vous avez pu voir Christ lorsqu'il se levait là en disant, « Ton nom est frère Joseph Coleman, tu viens de New York City, ton papa a eu une crise cardiaque, c'est ainsi dit le Seigneur. Je l'ai vu, j'ai vu son esprit. J'ai vu son esprit. » En 1962, la restauration de l'arbre épouse, pouvez-vous asseoir. Ces prédicateurs ne peuvent rien me dire. Je l'ai vu. Oubliez ça. Je sais ce que c'est. Oh, hallelujah. Amen. Là, mon esprit coule librement. J'en ai un autre ici. Je le place. Je peux le placer. L'adoption, le placement, la manifestation, le prendre ici, faire une cérémonie, le visiter avec un ange. Oh là là, la voix de l'archange. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que c'est ce temps-là pour être visité par la voix de l'archange? Vous savez, parce que le livre des Actes, ce sont des anges. De retour au livre des Actes, des anges, de retour aux anges. Et Malachi 4 a ramené les anges, le livre des Actes. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. De visiter avec un ange, lui dire quelque chose. Maintenant, s'il a dit la vérité, il est en train de faire quelque chose conjuré ou l'autre. Oubliez ça. Non, ça ne marchera pas. Nous avons eu beaucoup de ça. Je veux dire, des manifestations des fils de Dieu, comme Nelly Brisbane là-bas. Amen. Frère Ortiz, des manifestations. Frère Coleman, ma fille est morte. Une manifestation. Gloire à Dieu. De retour à la vie. Le docteur a dit, tu ne peux pas rentrer à la maison, tu es morte. Mais Christ l'a ramené. Hallelujah. Amen. Une manifestation. Je ne parle pas de Joseph Coleman maintenant, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je peux me vanter de Christ et je vais commencer à me vanter de lui à partir de maintenant. Je suis fatigué de ces gars qui disent, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Fermez-la. Gloire à Dieu. Amen. J'essaie toujours de me prendre avec mes paroles, j'essaie toujours de me saisir avec des mensonges et tout le reste. Mais sur cette troisième phase, sortez de mon chemin, gloire à Dieu. J'ai supporté pendant 18 ans vos mensonges. Hallelujah, gloire à Dieu. Amen. Pendant 18 ans, des mensonges, ils m'ont maudit. Et pas un seul prédicateur n'est venu ou m'a téléphoné, venu à New York pour voir ce qu'il en est. Ne connaissez-vous pas le Saint-Esprit? Viens et vois. Jésus a dit, viens et vois. Fermez-la et venez voir. Amen. Puis vous asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Jésus est transformé au Saint-Esprit. Et il est allé dans les quatre animaux. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est juste. Et le premier animal, le lion, a dit, viens voir. Et sous le lion était quoi? Paul, Irénée, Martin. Viens et vois, et ferme-la. Amen. Ensuite, le Saint-Esprit s'est transformé. Le bœuf sous Colomban. Ferme-la, viens et vois. L'église catholique est morte. Hallelujah. Gloire à Dieu.
Ensuite, pendant 1500 ans, l'âge sombre, la bête s'est transformée en un homme. Et Luther a dit, ferme-la, il a pris ses animaux. C'est les chapelets rosés et tout, et l'hostie, il a marché dessus. Viens et vois, le juste vivra par la foi. Amen. Hallelujah. Vous pouvez vous asseoir. Ils étaient tous finis. Et Laodicée était balayé. Et aussi ensuite est venu cet aigle volant qui est venu là. Alléluia, viens et vois. Gloire à Dieu. Et maintenant la colombe est ici. Les petits aigles ont grandi maintenant. Et ils sont prêts à sortir de leur nid. Et la maman aigle va vous prendre sur son dos. Il va étendre ses ailes. Viens John, viens Mary. Viens, Ginette, viens. Viens, nous allons nous en aller. Alléluia. Ils vont vous prendre. Et puis ensuite, dépsidou, ils vont vous laisser tomber. Et vous allez devoir voler. Alléluia. Frère Coleman, je descends. Frère Coleman, qu'est-ce que je vais faire? Ferme-la. Utilise tes ailes données par Dieu. Alléluia. Étends tes ailes. La colombe conduit les aigles. C'est le message suivant. Oh, comment suis-je arrivé là? Yes, sir. Oui, monsieur. Maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. I mean, manifestation of the sons of God. Je veux dire la manifestation des fils de Dieu. Dieu se manifeste. Il les envoie. Il avance. Qu'est-ce que c'est? C'est sa vérité. Que fait-il? Il manifeste Christ. Comment est-ce que vous pouvez le juger? De la manière avec laquelle ils restent avec la parole. Pendant 18 ans, ils m'ont jugé par ce que quelqu'un d'autre a dit. Ils n'ont jamais entendu les cassettes. Mais un tel, New York ceci, New York cela, c'est ainsi qu'ils me jugent. Mais lorsque vous êtes debout en train de prier, si vous avez quelque chose contre moi, eh bien laissez-le tomber. Frère Branham a dit que si vous avez une seule chose dans votre cœur contre votre frère, vous êtes dans le risque du feu de l'enfer, de la damnation, la damnation. Mais qu'est-ce que j'ai fait de toute manière? N'y a-t-il pas une cause? Qu'est-ce que j'ai fait? N'y a-t-il pas une cause? Hein? Vous pouvez vous asseoir. Le grand Saül, dans le message, Malachi 4 l'a ramené, et là il y avait Saül et tout Israël, des croyants raides, aucune révélation que Dieu était le même hier, à la mer Rouge, aujourd'hui et pour toujours, aucune révélation, juste dans le message. Et voici David. David avait laissé les brebis avec les anciens. S'il avait le droit d'aller sur le champ. Amen. Il avait le droit de sortir là. Et là, Israël était lié. Et David ne pouvait pas le comprendre. Il ne pouvait pas le comprendre. Comment le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge, comment le Dieu qui avait détruit tous leurs ennemis, comment ce Philistin incirconcis, comment pouvait-il lier le peuple de Dieu? Vous êtes le peuple le plus puissant sur la terre. Comment pouvez-vous être là lié? Hein? Ainsi, David est venu. Il était dans l'affection fraternelle. Il est venu pour leur donner à manger à ses frères avec du fromage et du pain. Amen. Il a dit, toi, ça, petit gamin, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, David, quoi? Alors David a commencé à prêcher. Alors ils étaient époustouflés. Ils ont dit, mon Dieu, allez dire à Saül que ce gars-là, il a une révélation. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Ce petit gars ici, il a une révélation que Goliath peut être vaincu et nous n'avons pas cette révélation. Nous laissons tous les démons dans nos églises. Nous n'essayons pas de les chasser. Les sœurs pourraient se fâcher. Hein?
Ainsi, nous n'essayons pas de les chasser. Mais David va les chasser en avant et en arrière. Gloire à Dieu. Faire sortir tous ces démons. Gloire à Dieu. Oh, comment suis-je arrivé là, frère Hunt? Je ne sais pas. Eh bien, nous sommes une petite famille ici. Nous sommes une famille. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors la parole est arrivée vers Saül, le grand évêque. Il a dit quoi? Il dit, amenez-le ici. Et David est venu devant Saül. Il a dit, Saül, au sujet de l'intelligence et tout le reste. Et cette fois-ci, Saül a cru. La fois passée, il ne voulait pas entendre parler de l'intelligence et l'adoption, la perfection et les tonnerres. Il ne voulait même pas en entendre parler. Mais maintenant, ils étaient tous morts. Pourri, gloire à Dieu dans le message. Retournant dans le monde, en train de rétrograder. Maintenant, ils étaient prêts à écouter n'importe quoi qui est dans la parole. Amen. C'est l'onction, sœur Farah. C'est l'onction. Et ils l'ont fait venir là, et David a commencé à prêcher. Il a commencé à dire, mon Dieu, j'ai eu une expérience. Ne parle pas d'expérience. Ça, c'est la Pentecôte dans le message. Tu as eu quoi? Le baptême du Saint-Esprit? Mais non, tu l'as quand tu le reçois. Bien, si vous l'avez quand vous le recevez, pourquoi est-ce que vous êtes là alors que Goliath est en train de se tenir là? Qu'est-ce que vous croyez? Croyez-vous qu'il est le même Dieu à la mer Rouge? Alors pourquoi est-ce que vous êtes assis là comme ça? Sortez de la gloire à Dieu! Ils n'avaient pas d'expérience. Mais ils étaient dans le message. Ils n'avaient pas de révélation. Mais David avait une révélation. Et David avait une expérience. L'onction était sur lui avec l'ours. Il avait une autre expérience avec le lion. Il a eu deux phases. Il est arrivé sur sa troisième phase. Et là, il y avait un géant, un homme, dans le message, sur la troisième phase, partout dans le monde, en train de lier les gens. Alléluia! Un grand Goliath, puissant, intellectuel, la pensée, les citations, les idées, les interprétations qui liaient les gens. Et David a dit, un Philistin circoncis, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il dit, le Seigneur des armées, afin, gloire à Dieu, l'église du Dieu vivant, vous connaissez l'histoire. Et David n'avait pas l'épée, il n'avait pas toute la parole, les prédicateurs ont la parole. Amen. Et c'est ce qu'ils disent de toute manière. Mais David avait une révélation avec une petite fronde. Amen. Et quand il a tué Goliath, qu'est-ce que David a fait sur la troisième phase? Il est allé prendre la parole de Goliath. Il a pris son épée, la parole, et il a tranché sa tête. Il a tranché la tête, la connaissance de la tête, et les gens furent libérés. Mais remarquez, vous pouvez vous asseoir. Les gens n'ont pas bougé, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas chanté. Ils étaient assis là en silence, sous le septième sceau. Mais lorsque David a tranché cette tête, alors vous parlez de cri. Ils ont rejoint la chorale céleste, ils ont vu leur nom dans le livre. Alléluia! Et que s'est-il passé? Les gens ont tiré leurs épées et ils ont fait la chasse à chaque Philistin sale, hors de leur vie, hors de leur maison, hors de partout. Alléluia! Et le réveil des sept tonnerres avait commencé. Alléluia! Oh, alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Vous pouvez vous asseoir. Praise God! There we are, church. Nous y voilà, église. Hey, je ne sais pas comment je suis arrivé là. Je ne voulais pas parler de ça. Et, de toute façon, nous parlons ici comment Josué nous place positionnellement. Page 8. Remarquez, Josué, après avoir franchi le pays, après s'être emparé du pays, alors il a réparti le pays, Ephraïm ici, Manassé là, Gad, Benjamin, il a partagé le pays. Et Josué connaissait par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans le pays promis, il a donné à chaque homme sa promesse, exactement ce que le Saint-Esprit a promis au travers de leur naissance. Et je remercie pour ce qui m'a été promis dans ma naissance, je sais ce que c'est, gloire à Dieu. Prospérer, ajouter, amen. C'est ce qu'il m'a promis, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, page 8. Comment Dieu a donné certains dans l'église au travers de leur douleur d'enfantement.
Vous allez avoir des douleurs. Oh oui, ça ne va pas être facile. Elles deviennent parfois formidables. Regardez, lorsque l'Église soupire sous la persécution du monde extérieur, comme nous ici à New York City, en croyant en Seigneur Jésus, que la promesse du Saint-Esprit est juste aussi réelle pour nous qu'elle était à la Pentecôte. C'est ce que nous croyons ici à New York City. Et ils se moquent, ils se rient de nous. Mais nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, en train de croire ceci. Alléluia. Et comment ils soupirent et gémissent dans les douleurs d'enfantement. Mais lorsqu'ils sont nés, comme 1983, amen, et maintenant, lorsqu'ils sont nés positionnellement dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a mis dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Alors, ils donnent à le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, toutes sortes de miracles. Oh, où en sommes-nous, Église? Alléluia, gloire à Dieu. Ainsi, que se passe-t-il maintenant? Vous êtes né de nouveau, et ensuite vous êtes testé par le test final. Et alors, vous venez jusqu'au sommet, la charité vient et vous scelle, et alors vous êtes né positionnellement. En d'autres mots, le placement du Fils adulte en position de puissance et d'autorité. Alléluia, vous êtes là, avec le Saint-Esprit, étant testé. Maintenant, pendant des années, nous avons été testés, nous avons prié pour les malades. Amen. Mais après être placé en position de puissance et d'autorité, vous commandez aux démons, allons, sors de là, gloire à Dieu. Vous leur commandez de sortir. Oui, monsieur. Maintenant, lorsque vous êtes placé sous l'expectative par la parole, l'onction d'Éphésiens 1, 5 et 4, 7 à 13, cela vous fait avoir faim et soif pour que cette promesse soit accomplie dans votre vie. Est-ce que c'est juste? Amen. Vous voulez trouver votre position dans la vie pour cette heure, pour cette saison, pour le temps du message. Je dois le trouver. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Une femme de ménage ou un ouvrier ou quoi? Ou un ministre, un diacre? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Dis-moi, Seigneur. Gloire à Dieu. Ainsi, maintenant, nous arrivons à notre position. J'y suis presque, gloire à Dieu, page 5. Et puissions-nous voir aujourd'hui, Seigneur, clairement, comme cela nous est donné à la parole, donne-moi la compréhension et place-nous, Seigneur, à notre poste de devoir, afin que nous puissions servir fidèlement jusqu'à ce que tu arrives. Nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Page 110, il parle ici de Melchisédek et d'Abraham, ici dans la Genèse, je pense, c'est Genèse 15. Il dit après qu'Abraham ait pris sa position, il a pris 318 serviteurs formés dans sa maison. Il est allé au secours de Lot, amen, qui était là dans Sodome. Et qu'a-t-il fait après la bataille? Après qu'Abraham ait pris sa position, après que l'Église ait pris sa position, nous sommes appelés à l'adoption des fils par le Saint-Esprit. Et lorsque chaque homme prend sa position, ce que Dieu l'a appelé à faire, et qu'il se tient là jusqu'à la fin de la route, en allant après les perdus. Amen. Après que nous ayons pris notre position et que nous tenions là, c'est ce que nous faisons maintenant, nous prenons notre position sur cette troisième phase. Nous allons nous tenir jusqu'à la fin de la route, gloire à Dieu, en allant après les perdus, les brebis perdues. Amen. Qu'est-il en le placement du fils adulte en position de puissance et d'autorité? Oui, monsieur. Maintenant, Paul dit ici, premièrement, Paul enlève toute la peur. Il dit, si vous êtes appelé, si ce n'est pas simplement de l'émotion ou une sorte de théologie, si vous êtes vraiment né de l'Esprit, alors Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et maintenant, nous arrivons ensemble, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Un peuple saint, un peuple, une nation sainte, un peuple acquis, une sacrificature royale, alléluia, offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Ainsi, comment pouvez-vous être assis là, mort, sans louer Dieu? Vous avez besoin du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Amen. Vous avez besoin d'un baptême de feu pour vous faire dire alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À Dieu, ce sont les fruits de vos lèvres donnant la louange, louange à son nom. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sacrifice de louange? Ça veut dire lorsque vous ne vous sentez pas bien, ça veut dire lorsque votre patron s'est débarrassé de vous, que votre femme vous a dit quelque chose de mal. À ce moment-là, c'est alors que vous pouvez offrir un sacrifice de louange, non pas que vous vous sentez bien, avec l'estomac rempli de nourriture. Gloire à Dieu.
Ce n'est pas ce que Dieu cherche. Il veut vous avoir quand vous êtes en bas, lorsque le diable a joué avec vos pieds. Alors vous pouvez vous lever en disant « Hallelujah, gloire à Dieu !» Un sacrifice de louange. Non pas rester là dans votre esprit humain et vous sentir, vous apitoyer sur vous-même. Hallelujah. Gloire à Dieu. C'est ainsi que vous venez à Penharris, non pas en vous apitoyant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Les gens viennent y dire, ces gens sont fous. La sagesse de Dieu, la folie pour l'homme, et la sagesse de l'homme, mais folie pour Dieu, et ce contraire l'un par rapport à l'autre. Mais une église remplie de l'Esprit de Dieu par la puissance de Dieu est assise dans les lieux célestes et elle offre des sacrifices spirituels. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agissant au milieu d'eux. Supposez que vous soyez dans la fosse aux lions, là, dans ces jours-là, et qu'ils étaient là à l'intérieur en train de crier et de prier, et à l'extérieur, au temps de Néron, dans les arènes, il y avait des lions rugissants, prêts à vous manger. Ils étaient à l'intérieur, en train de louer Dieu. Ils attendaient de marcher vers leur mort. Quel genre de bataille d'esprit est-ce que vous avez? Quelle est votre bataille d'esprit? Mon mari me parle mal. C'est ça votre bataille d'esprit? Finissons-en avec ça. De retour à la Bible. De retour à des chrétiens rudes. Oh, le Saint-Esprit discerne le péché et il fait sortir la chose. Voyez, est-ce que vous ne voulez pas que le péché soit appelé? Pourquoi avez-vous peur? De quoi est-ce que vous auriez peur? Que la parole vous épingle? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Oh, Seigneur, appelle-le maintenant, afin que je puisse échapper à la période de tribulation. Vous feriez mieux de remercier Dieu que le Saint-Esprit est dans votre église et qu'il fait sortir le péché. Vous pourriez rester là en étant enorgueilli, en pensant arriver quelque chose dans le message, plein de péché. Amen. Les appels, il rectifie tout et il aplanit tout. Toutes ces bosses et toutes ces choses, il aplanit tout. Il y a un esprit raide ici et là, il est aplani. Un esprit d'orgueil. Hein? Alors, il aplanit tout ça et il rend la chose plane afin que vous ne vous leviez pas au-dessus de l'assemblée en pensant que vous êtes quelqu'un. Il aplatit cette chose. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. No hallelujah. Condemnation, aucune condamnation, gloire à Dieu. All right, friends. Très bien, les amis. Quel est l'héritage? Page 114, quel est l'héritage? Amen. Your individual inheritance. Votre héritage individuel, j'y suis presque. If I'm right, Dieu a prédestiné à son héritage. God is knocking at my heart saying, William Branham. Si j'ai un droit en héritage, Dieu m'a appelé dans mon cœur. William Branham, je t'ai appelé depuis longtemps, depuis la fondation du monde, à prêcher l'Évangile. Maintenant, j'ai un héritage. Et l'héritage est la vie éternelle. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus pour rendre cet héritage réel pour moi, parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Mais dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé en son temps Jésus, l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Son sang a été répandu afin que je puisse aller vers mon héritage. Pour être quoi? Quel est l'héritage? La filiation. Être un fils de Dieu. Voilà votre héritage. Être un fils de Dieu. Et la révélation de vos droits de rédemption par les sept tonnerres, le message des sept sceaux, les sept tonnerres, vous révèle votre autorité, votre puissance, comme un fils restauré de Dieu qui vous ramène en Éden. Hallelujah. Voilà quel est le triple mystère de Dieu. Numéro 1, Dieu ayant la prééminence en Christ. Numéro 2, Christ ayant la prééminence dans son épouse par la révélation des sept tonnerres, qui révèle que Christ est tous les mystères. Alors Dieu a toute la prééminence en vous. Alors, vous êtes prêt à retourner en Éden. La parole parlée, gloire à Dieu. Petit poisson, je te donne ta vie. Qu'il y ait un écureuil. Allons, retournons en Éden. La position. Retournez dans cette position avant que la pression n'arrive. Quelqu'un va entrer dans cette position.
quelqu'un va le faire. Amen. You may be seated. Back to the beginning as a son and de retour au commencement comme un fils, un Dieu amateur. Un Dieu amateur, frère Coleman? Oh, la position d'un fils adulte avec l'autorité et la puissance qui entre dans l'église. Alors qu'est-ce que vous faites? Il dit ici, page 114. Maintenant, certains de vous ici, je ne sais pas, ceci peut vous étouffer à mort, mais j'espère que ça ne le fera pas. Mais savez-vous qu'un homme qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savent cela? Combien savent que Jésus a dit ça? La Bible dit, la loi ne dit-elle pas elle-même que vous êtes des dieux? Et si vous appelez ceux-là dieux, que Dieu a dit en Genèse 2 qu'ils étaient des dieux parce qu'ils avaient la domination sur le monde, il leur a donné la domination sur toutes choses. Et il a perdu sa divinité, numéro 1. Numéro 2, il a perdu sa filiation. Et ensuite, il a perdu sa domination et Satan l'a repris. Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, nous attendons la manifestation des fils de Dieu qui reviendront pour le reprendre. Est-ce ce dont vous parlez, frère Coleman? Oui. Essayons d'arriver à cette position pour le reprendre à Satan. Et Satan ne l'a pas. Il ne fait que de bluffer. Je dirais qu'il a bluffé environ 90% des gens dans le message, loin des tonnerres. Il vous a bluffé, ici et sur bande. Satan vous a bluffé, parce que la seule chose qui vous donnera la foi, ce sont les sept tonnerres. Et le diable vous a lié dans le message, en vous disant que c'était la doctrine de Joe Coleman. Les sept tonnerres, c'est Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas moi qui est en vous. Hallelujah. J'espère que ça leur ferme le caquet. Gloire à Dieu. Maintenant, si c'est le cas, Adam a perdu sa filiation, sa divinité, sa domination, il a perdu sa vie éternelle. Sa divinité dans la vie éternelle. Oh là là. Et maintenant, nous attendons que les fils de Dieu reviennent et reprennent la chose. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous attendons la manifestation des fils de Dieu qui vont revenir pour le reprendre. Nous attendons la plénitude des temps où la pyramide arrive à son sommet, où les fils complets de Dieu seront manifestés lorsque la puissance de Dieu viendra pour reprendre toute la puissance que Satan avait repris. Gloire à Dieu. Elle lui appartient, elle vous appartient. Qu'est-ce que vous attendez, gloire à Dieu? Ainsi donc, si c'est le cas, alors donne-moi cette montagne, gloire à Dieu. Amen. Et Seigneur, place-moi comme un fils adulte en position de puissance et d'autorité. Il dit ici, page 115, reviens dans la Genèse, à l'original, qu'est-ce que c'est? Maintenant le monde et la nature soupirent, gémissent. Et tout pour la manifestation des fils de Dieu, lorsque des fils véritables, nés, remplis, parlent, et que leur parole est confirmée. Je crois que nous y sommes maintenant même. Dites à cette montagne, le prophète l'a dit, je le dirai, gloire à Dieu. Frère, je désire ceci, cela, une certaine chose. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Je te le donne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une manifestation. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh frère, ma récolte est en train de brûler. Je n'ai pas eu de pluie. Je t'envoie de la pluie dans le nom du Seigneur. Je bénis ta récolte. Elles attendent, soupirent, attendant la manifestation des fils de Dieu. Dieu l'a ordonné au commencement. Il a donné la domination à l'homme. Il a donné à Jésus-Christ. Jésus l'a donné en son nom, avec cette assurance, demandez quelque chose à mon Père, et je le ferai. Oh, frère Palmer, entendant la manifestation des fils de Dieu, la position, l'Église, avez-vous saisi maintenant? Alors ce matin, je fais ceci ici, tout comme le 7 juin, la foi, le 14 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est arrivé? De même manière, ceci va arriver pour des individus, non pas pour toute l'Église, non pas pour tout le message. Vous voulez dire l'omnipotence en train de parler? Oui, et le miraculeux le confirme.
Pas simplement prendre toutes les citations, les écritures et les mettre ensemble parfaitement. C'est plus que ça. Il faut le miraculeux, gloire à Dieu, pour le faire s'accomplir, pour le confirmer. Oh, laissez-moi terminer ici. Oh, Église, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Restez tranquille. Dieu est celui qui place son Église, ses fils et ses filles. Oh, Dieu, laisse-moi le vivre, c'est ma prière. C'est aussi proche que je peux, presque le sentir avec mes mains. Frère, c'est ici. Voilà ce que je désire voir, attendant le temps. Nous marchons dans la rue et là, il y a un infirme, comme dans Acte 4. Gloire à Dieu, depuis le sein de sa mère, je n'ai ni or ni argent, attendant la manifestation des fils de Dieu, où Dieu se fera connaître. Cela arrêtera la maladie, cela arrêtera le cancer, cela arrêtera les maladies, cela arrêtera la méthadone, gloire à Dieu. Alléluia. Cela l'arrêtera, l'enlèvera, va le purifier. Alléluia. Vous pensez que le cancer est quelque chose? La Bible dit qu'un temps vient où les gens vont pourrir dans leur chair. Le sida, l'herpès. Le prophète était en train de prophétiser, mais nous vivons pour le voir. Ainsi, secouons-nous, gloire à Dieu, et entrons dans notre position et tenons debout jusqu'au bout du chemin en allant après nos frères perdus qui ne comprennent pas cette révélation. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah! Alléluia. Glory, glory, glory! Gloire, gloire, gloire! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Oh, church is here! Oh, Église, il est ici! The Holy Spirit is here! Le Saint-Esprit est ici, en train de vous parler! That a man speaking? Ce n'est pas un homme qui parle! You can be sealed right now! Vous pouvez être scellé maintenant même! What are you waiting on? Qu'est-ce que vous attendez? Hallelujah! Hallelujah! Be seated. Ils pourriront dans leur chair et les busards mangeront leur carcasse même avant qu'ils ne meurent. Le cancer n'est qu'un mal de temps par rapport à ce qui arrive. Mais cette chose horrible fait interdire de toucher ceux qui ont le sceau de Dieu. Voilà pourquoi nous luttons maintenant pour entrer et être placés positionnellement dans le royaume de Dieu avant que ces plaies horribles ne frappent. Et elles sont déjà en train de frapper. Ainsi, combien plus devrions-nous entrer et nous efforcer dans ma montagne et vivre. Vivre correctement, nous sanctifier, sortir du monde. Hallelujah. Quelqu'un parle contre vous, pardonnez-leur et allez de l'avant. Hallelujah. Ne gardez aucune chose dans votre cœur. Gloire à Dieu. Amen. Ô Église, est-ce que vous le voyez? Le placement d'un fils adulte en position de puissance et d'autorité. Oui, monsieur. Possédez votre héritage individuel. Maintenant, le livre des Éphésiens est comme le livre de Josué, qui place positionnellement l'Église, il représente l'âge des vainqueurs. Page 26, il dit quelque chose ici. Je suis prêt à terminer. J'y arrive. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Page 26, maintenant ce soir, notre écriture, c'est répartir le livre des Éphésiens. Partager le livre des Éphésiens, le livre de Josué. Le Nouveau Testament, c'est mettre en ordre ceux qui ont vaincu. Un petit arrière-plan ici maintenant. Il dit deux choses ici. Répartir le pays, et après qu'il l'ait partagé, partager le pays, et puis alors mettre en ordre les vainqueurs. Et Josué avait une double commission, les emmener dans le pays, ensuite combattre le bon combat de la foi dans le pays. C'est juste? Il a même accompli la parole parlée. Soleil, reste tranquille et lune, reste au-dessus d'Ajalon. Il a mis son pied sur le cou des rois. Il les a tenus là. Et après tout cela, Josué 13. Maintenant, Josué, tu deviens vieux. Et il y a encore beaucoup de pays à partager. Maintenant, Josué, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais premièrement te donner ton héritage. Je vais te donner le Saint-Esprit. Je veux dire le Saint-Esprit pour notre saison. Je ne veux pas dire 1906. Je veux dire le Saint-Esprit. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité, le Saint-Esprit. Je vais te le donner maintenant. Alléluia. Amen, Stéphanus. Il est à vous, sur la troisième phase. Et vous serez né de nouveau si vous n'êtes pas. Et si vous êtes né de nouveau, vous serez rempli. La puissance pour le service. C'est à vous. Maintenant, faites sortir les Philistins. C'est une révélation maintenant.
Maintenant, remarquez. Josué 13. On n'avait pas entendu encore le mot de Philistin qui soit mentionné. Et les autres, les Jibrites, les Jibubites, les Jubites et tout le reste, les autres. Tout un tas de dénominations. Amen. Des esprits. Mais maintenant viennent les démons personnels. Les Philistins. Et vous n'avez aucune puissance pour les chasser. Ainsi, Dieu va vous donner le Saint-Esprit pour les chasser. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Vous voudriez que Dieu fasse que vous ayez la victoire, mais vous êtes désolé parce que vous êtes fâché. Vous n'avez aucune puissance. Amen. Vous allez y arriver. Tout va bien. Vous y êtes arrivé. Amen, frère. Vous avez saisi maintenant? Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, il y a encore beaucoup de pays qui doit être possédé. Vous voyez ce que c'est? Votre être entier, votre imagination doit être possédée. Votre mémoire, votre affection, votre conscience, votre raisonnement, vos manières charnelles doivent être possédées par puissance, par le Saint-Esprit. Alléluia! Possède-moi, Seigneur. Prends mes yeux, mes lèvres, mes mains, mes pieds. Prends mes 16 éléments et donne-moi la puissance et donne-moi ma montagne. Amen. Alléluia. You got it? You may be seated. So it's divide up the land, set in order. Ainsi, c'est partager le pays et mettre en ordre les vainqueurs, mais vous devez vaincre quelque chose. Maintenant, souvenez-vous, toutes les réponses, les récompenses ne sont que pour les vainqueurs. Ainsi, ne soyez pas dans le message là en attendant votre réponse. Je viens rapidement avec ma récompense. Mais qu'est-ce que vous avez vaincu? Hein? Amen, brother Cordy. Amen, frère Cordy. Amen. Maintenant, vous êtes né de nouveau, je l'ai dit avant, au mois de novembre. Vous naissez de nouveau à la croix. À la croix, à la croix. Ensuite, sur la croix, vous montez là, gloire à Dieu. Vous êtes testé, vous ajoutez, vous grandissez, vous vainquez. 2 Pierre 1, 4 à 7, sur la croix. Ensuite, vous arrivez à un certain temps, le placement en position d'un fils adulte qui a vaincu, qui a été testé, qui a été éprouvé. C'est la bonne sorte de fils. Et il est placé en position où il reçoit la puissance et l'autorité. Et numéro 3, bien sûr, la charité scelle ses 7 vertus au temps d'adoption. Alors il descend de la croix et il marche dans les empreintes de Jésus-Christ. Dans les empreintes sanglantes de Jésus-Christ. Ainsi dit le Seigneur, sinon reste tranquille. Je ne fais rien à moins que mon Père me le montre. Quelle harmonie entre Christ et l'épouse. Voilà le message, frère. Voilà ce qui est censé être prêché partout. C'est ça le message. Amen. Mais lorsqu'ils sont nés, ensuite testés, éprouvés, ils ont eu la formation de l'enfant, le comportement, la sanctification, alors nés positionnellement dans le royaume, alors le Saint-Esprit est mis dans l'Église, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangiles, des docteurs, et tous les miracles, c'est lorsque l'omnipotence parle et que le miraculeux s'accomplit. Alléluia! Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Est-ce que j'ai le temps pour une promesse ici? Amen. The time's at 12, almost 12:30. I want to get out of here. Amen. We have 1:30, hour and a half. 12:30, 1:30. I got to get this in here. Then bien, je dois faire entrer ceci, yes, puis je vais terminer. Gloire à Dieu. Feel good? Vous sentez bien? Hallelujah! Hallelujah! Glory! Gloire à Dieu. Amen. Page 27. Page 27. Okay. L'héritage. Ok. Now, bien, une telle grande chose, cet héritage dans le pays que personne d'autre, si ce n'est un parent rédempteur, ne pouvait racheter. Et cet héritage aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il se trouve dans Éphésiens. Et les prédicateurs dans le message, ils n'auront pas, frère, à moins qu'ils ne reviennent aux Éphésiens. Ils doivent le prêcher, ils doivent le dire. Et toutes ces sœurs et les autres dans le message avec leurs cassettes et leurs livres qui ne veulent pas le pasteur, ils ne recevront rien à moins qu'ils arrivent à ceci, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Ils ne recevront rien dans le message. Rien, 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 rien. Amen, frère Peter. Cette balle de ping-pong. Rien, 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 rien. Je peux voir le camion du Kentucky qui vient là sur la route, la camionnette. Gloire à Dieu. La camionnette avec les poulets du Kentucky. Gloire à Dieu, amen.
I tell you one thing, you get the Holy Ghost. Et vous dire une chose, recevez le Saint-Esprit, c'est la satisfaction garantie. Alléluia. Satisfaction garantie. Oui, monsieur. OK maintenant. J'ai presque terminé. Nul autre, si ce n'est un parent rédempteur, ne pouvait racheter cet héritage. Maintenant ici, un petit signe. Pour vous les mères, Sir Ruby Wingate, écoutez maintenant. Combien ici ont prié pour leurs bien-aimés qui sont perdus? Vous y voilà à nouveau. C'est votre héritage. Nelly, tu es l'héritage de ta maman. Elle a prié pour toi. Elle a prié comme Hannah quelquefois, en train de murmurer, presque tomber endormi. Elle a prié comme Marie dans la chambre haute. Elle a prié pour toi. Hallelujah. Gloire à Dieu. Voilà dit aux Romains, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta maison, vous serez sauvés. Si vous avez la foi pour vous-même, ayez la foi, peu importe combien ce garçon est égaré. Est-ce que vous m'entendez? Bien frère, tu as saisi. Tu as saisi, sœur Madeleine. Peu importe combien il est égaré. Tu as saisi? Amen Timmy. John, Paul. Peu importe qu'il soit ivre, ivrogne. Voilà Nelly. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? Gloire à Dieu. Peu importe combien ils sont égarés. Amen. Pouvez-vous asseoir. Hallelujah. Combien ce garçon ou cette fille peut être égaré, ils seront sauvés de toute manière. D'une manière ou l'autre, Dieu, même s'il doit les mettre sur leur dos, et il a étendu Nelly sur son dos, alléluia, et il a ramené, alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Oh, je me sens bien maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mon Dieu. J'ai de la peine à terminer. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Glory. Gloire au Seigneur. Dieu, d'une manière ou l'autre, s'il doit les étendre sur leur dos, regardez, là, dans un hôpital, en train de mourir, ils seront sauvés. Oh là là. Nelly était en train de mourir et elle est morte. Et Nelly est sauvée. Parce que le prophète l'a dit. C'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Frère Dave. Frère Paul. Amen, frère Amos. Alléluia. Oh là là, voici les paroles du prophète qui sont manifestées à New York City. Il y a quelque chose au sujet de New York City? Oui, les morts sont ressuscités, des miracles, des signes, des prodiges, des versements du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il en est de New York City. Gloire à Dieu. Allez dire à mes disciples que je ne suis pas mort. Alléluia. Les Britanniques n'arrivent pas, les Britanniques sont ici, gloire à Dieu. Juste ici. Ils sont là debout. Gloire à Dieu. Laissez-moi me dépêcher maintenant. Hallelujah. Mourant, ils seront sauvés. Dieu l'a promis. L'héritage, vous y voilà. Et ils seront là, a dit Isaïe, et toute leur descendance. Il ne se fera ni dommage ni mal sur ma sainte montagne, a dit le Seigneur. Vous y voilà. Ne croyez-vous pas la parole? Soyez audacieux. Croyez, tout est possible. Oh. Voilà votre héritage. Comprenez-vous, Église? Adam avait cet héritage. De faire quoi? De faire des fils. Des fils, paroles parlées. Mais Satan est venu avant que Dieu n'arrive là. Et puis il s'est allé par le sexe avec Ève. S'ils avaient attendu, alors Adam aurait parlé les fils parce qu'il avait la semence. Alléluia! Mais nous revenons maintenant à la parole. Nelly, sors!
glory. Hallelujah. Oh, back to Eden. De retour en Éden. Maybe seated. Pouvez-vous asseoir. Oh, oh là là. Le placement d'un fils adulte en position de puissance et d'autorité. Voilà pourquoi il doit y avoir une faim et une soif après que vous soyez né de nouveau. Pour aller de l'avant. En train d'ajouter, de grandir parole sur parole jusqu'à ce que vous soyez un fils arrivé à maturité. Placé en position de puissance et d'autorité, vous pouvez dire, maintenant donne-moi ma montagne. Ne vous arrêtez pas, à moins que vous puissiez dire cela. Ne sortez pas d'ici avant que vous puissiez dire cela. Ne rétrogradez pas à moins que vous puissiez dire cela. Vous m'entendez? Je vous commande dans le nom du Seigneur. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. En avant. Vous avez remarqué que Moïse, qui faisait tant de miracles, il avait amené Israël jusqu'au pays promis, mais il ne l'a pas donné, il n'a pas réparti leur héritage, il les a conduits jusqu'à leur héritage. Mais c'est Josué qui a réparti le pays, qui a partagé. Amen. Est-ce que c'est juste? Maintenant, regardez. Voici un type et un antitype. Christ a amené l'Église à un endroit, la chambre haute, où leur possession leur furent donnée. Juste au-delà du Jourdain, mais le Saint-Esprit est celui qui met l'Église en ordre. Le Josué d'aujourd'hui, le Saint-Esprit met l'Église en ordre, donnant à chacun des dons, des places, des positions. Et il est la voix de Dieu qui parle dans l'homme intérieur que Christ a sauvé, le Saint-Esprit. Maintenant, vous avez saisi. Ainsi, le livre des Éphésiens, de la même manière, il place positionnement l'Église là où elle appartient. Josué les a placés dans un pays naturel, mais maintenant le Saint-Esprit place l'Église positionnellement dans un pays, dans la position à laquelle ils appartiennent dans leur héritage. Oh, j'espère que vous saisissez. J'espère que vous recevez votre héritage. Je désire que chacun ici puisse voir son héritage. Et personne ne serait jaloux, tout le monde serait heureux. Page 119. Quel était le salut qu'il essayait de leur parler, la prédestination avant la fondation du monde, l'adoption des fils, vous a prédestiné à la vie éternelle. Maintenant, alors que vous arrivez à la vie éternelle, après avoir été sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit, vous êtes un fils. Et maintenant, Dieu veut vous placer positionnellement afin que vous puissiez travailler pour son royaume et sa gloire. Vous voyez maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire dans la troisième phase. Mais nous devons entrer dans notre position. Mais pas tous ces gars qui circulent partout dans le monde avec ces étranges doctrines. Ils sont finis maintenant. Ils sont finis. Ils ne doivent même pas se trouver derrière la chair sans le Saint-Esprit. Et s'ils ont le Saint-Esprit, eh bien alors ils vont certainement l'enseigner. Ainsi, écoutez. La manière dont ils prêchent le baptême du Saint-Esprit, alors vous savez qu'ils ne l'ont pas. La parole. Ils ne savent même pas ce qu'est la parole. La parole est Christ, le Saint-Esprit. Hallelujah. C'est l'Évangile. Écoutez la parole, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Ôtez vos péchés. Invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la promesse, le pays promis, la promesse est pour chaque pèlerin qui est sur sa route. Si vous êtes parti en étant un pécheur et que vous avez dit « Je vais aller au Branham Tabernacle », Dieu vous donne l'opportunité ce soir. Il y a une chose qu'il y a entre vous et le pays promis. Qu'est-ce que c'est le pays promis? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a entre Josué et le pays promis? Eh bien, c'était le Jourdain. Moïse, étant un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Alors, Moïse n'a pas pris les enfants dans le pays promis, il les a pas emmenés là, mais c'est Josué qui les a fait entrer, qui a réparti le pays, vous avez saisi. Jésus a payé le pays, le prix. Il les a conduits jusqu'au Saint-Esprit, la chambre haute. Et Dieu a fait descendre le Saint-Esprit, il a mis l'Église positionnellement en ordre, remplissant chaque homme avec la présence de son être. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en Christ Jésus. Comment Dieu a prédestiné à l'appel de cet évangile? Paul, dans Galates 1, 8, si un ange vient en prêchant quelque chose d'autre, oh, hallelujah! Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Le prophète a dit ici que si un ange venant du ciel, alors qu'en est-il de ces hommes dans le message, ces pasteurs et ainsi de suite, s'ils ne prêchent pas ceci, Galates 1, 8, qu'ils soient anathème. Frère Coleman a prêché ceci depuis 28 ans.
and being blessed. Et il est béni. Alléluia. Oh, may be seated. Pouvez vous asseoir. They better preach something. Here's why. Il ferait mieux de prêcher. Voilà pourquoi. Dans les derniers jours, la Bible dit, page 120. Maintenant, regardez ici, dans les derniers jours, il y aura deux classes de gens. L'un aura le sceau de Dieu et l'autre aura la marque de la bête. Est-ce que c'est juste? Combien savent ce que c'est? Eh bien, le sceau de Dieu, c'est le sceau. Alors, si le sceau de Dieu est le Saint-Esprit, alors, regardez. Sans le Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. J'ai dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, alors vous avez déjà dans le message la marque de la bête. Alors pourquoi rester assis là en train de regarder? C'était puissant, hein? Alors pourquoi être triste? N'êtes-vous pas prédestiné? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? J'essaie seulement de vous apporter la parole. Amen, gloire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. Pouvez vous asseoir. Et la Bible dit que les deux esprits seraient si proches au point de séduire les élus même, si c'était possible. Mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont élus à la vie éternelle. Voyez, Église. Ah, gloire à Dieu. Non pas des pentecôtistes, dans ce message. Cet esprit, faux oin, 2 Timothée 3, dans le message, on pourrait séduire les élus si c'était possible, mais ils ne peuvent pas le faire parce que Dieu a une troisième phase pour les élus, pour recevoir le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas le faire. Et presque éteindre ces tonnerres, mais ils ne peuvent pas le faire. Cela va tonner. Alléluia. Oh là là. Gloire à Dieu. Ok. Écoutez-le, 1960, Phoenix. Et nous allons terminer. Citation. Maintenant, vous voyez que Jésus a prouvé à Dieu qu'il était le bonne sorte de fils et Dieu l'a emmené au sommet de la montagne. Ayant des témoins là, avec des témoins célestes et terrestres, il a revêtu d'immortalité. Ils ont vu que son vêtement resplendissait comme le soleil. Quelque chose de surnaturel est arrivé. Dieu avait placé sur lui la robe de l'immortalité, montrant qu'il l'avait reçue. Voilà la chose que Dieu va faire à ses fils ici sur la terre un jour. Alléluia. Il vous appellera sur le côté Église. Si seulement vous lui obéissez et si vous restez sur sa parole et que vous le croyez, et je prêche la parole, restez sur elle, croyez-la. Il vous appellera un jour sur le côté. Regardez, il va placer, n'a rien à voir avec vous, cela va arriver. Il placera dans l'Église toute la puissance que Christ avait en lui, elle sera dans l'Église. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Tout ce que Jésus était, il l'a déversé dans l'Église. Dieu veut que son œuvre soit faite, il l'a envoyé dans son Fils. Et le Fils voulait que son œuvre soit faite, il l'a envoyé dans l'Église. Ce jour-là, vous saurez, je suis dans le Père. Amen. Que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Quel jour? Ce jour-ci, lorsque cela arrivera. Alors vous saurez tout. Vous comprendrez le Saint-Esprit. Combien cela? Comment il est? Gloire à Dieu. Vous le saurez ce jour-là. Ainsi, tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Amen. Pouvez vous asseoir. Ce jour-là, parce que la même puissance en nous, dans Jéhovah Dieu, elle est reposée en Jésus-Christ. La même puissance qui demeure en Jésus-Christ demeure dans les fils placés dans le corps de Christ. Le placement d'un fils, vous avez saisi. Priez pour les malades maintenant. Mais lorsque vous serez placé, la puissance, là, l'autorité, la puissance, lorsque vous serez placé, lorsque vous serez adopté, et cela, est-ce qui va séparer les hommes des garçons dans le message? Vous n'aurez pas un mot à dire à ce sujet. Prêchez les sept tonnerres, citation ici, citation là. Rien dire. Vous ne devrez pas aller en Europe, en Afrique du Sud, ou quoi que ce soit à prêcher. Cela parlera de soi. Alléluia. Vous pouvez aller où vous voulez en Amérique, à Tucson, où vous voulez, Tulsa, Jeffersonville. Cela parlera de soi. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Je sens que les chaînes sont en train de tomber de moi. Liées, gloire à Dieu, par les hommes et leurs idées, et ce qu'ils pensent, ce que je devrais prêcher, et ce qu'ils pensent. Alléluia, gloire à Dieu. En disant que je suis en train de briser des familles et des églises, c'est le manque de révélation qui brise. Gloire à Dieu.
Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Ce jour-là, parce que la même puissance est en nous, celle qui était en Jéhovah, qui demeurait en Jésus-Christ, la même puissance qui demeure en Jésus-Christ, dans les fils, dans le corps, placement d'un fils. Il y a une cérémonie devant les anges, dans le corps de Christ, et vous êtes né avec cela. Vous voyez? Ensuite, cette personne a l'autorité. Laissez-moi dire ceci. Si vous me considérez comme un fanatique à partir de ce soir, la même chose dont je parle ici s'accomplira. Il y aura une puissance qui viendra dans l'église et elle y entre maintenant. Est-ce qu'elle y entre, frère Ortiz? Est-ce qu'elle y entre? Alléluia! Vous pouvez vous asseoir. Et elle y entre maintenant. Dieu a permis que ces choses arrivent afin que vous puissiez avoir l'évidence du nouveau pays. Frère Branham lui-même l'a dit en prouvant sa parole. Il a dit, voyez ces gens ici qui conduisent depuis le Texas, la Géorgie, l'Alabama et ainsi de suite. Et ce petit garçon qui avait le cancer, le sémie, qui a été guéri, qu'est-ce que c'est? C'est l'évidence du nouveau pays. Eh bien, qu'en est-il d'aujourd'hui? Est-ce que frère Ortiz et Galvez et Conata, est-ce que c'est une preuve, une évidence? Pourquoi est-ce que ça devrait changer à cause de New York City? Est-ce que c'est différent de Jeffersonville? Est-ce que la puissance est différente de Jeffersonville et de ce qu'elle est à New York City? Est-ce qu'il devrait y avoir une différence? Est-ce qu'il y a une autre puissance? Une autre manière de ressusciter les morts? Bien sûr que non. C'est juste de la jalousie, voilà tout. Ce n'est pas différent. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Oh, hallelujah. Je pourrais vous raconter des histoires. Appelle tel et tel à l'université et écoute Dieu avec ses prières. Non, mais frère Hunt, et cet homme a eu le cancer, il est mort. Et puis il a été guéri, alors il est revenu. Et cet homme, il ne voulait pas dire un mot ici à New York City. Parce que Dieu est avec ses prières, il a été guéri. Hallelujah. Amen. Frère Tommy me racontait ça ici. Un frère m'avait téléphoné de l'hôpital. Il était en train de mourir et tout. Et j'avais prié pour lui il y a deux semaines. Un prédicateur au Texas quelque part. Amen. Et frère Dillard, il lui a téléphoné, il a dit, téléphone à frère Coleman. Il priera pour toi. Et frère Tommy connaissait l'arrière-plan, vous voyez. Quelque chose lui a dit. Il avait utilisé mon nom dans un livre, avec toute cette doctrine et toutes ces choses qui se passent. Eh bien, je pourrais aussi dire comme frère Coleman, etc. C'était environ il y a 3 ans. Et il était là en train de mourir. Un type intelligent, un prédicateur. Alors j'ai prié pour lui. Et frère, je devais prier pour lui, alors frère Tommy a téléphoné, il a dit, tu vas bien, tout va bien. Il a dit, est-ce que tu voudrais demander à frère Coleman, s'il te plaît, qu'il me pardonne d'avoir mis son nom dans le livre? Et frère Tommy lui a dit, téléphone-lui toi-même. Amen. Téléphone-lui et demande-lui pardon. Comment suis-je arrivé là? Vous savez ce qui est arrivé à Job, hein? Job se détestait lui-même. Je me déteste. Et il s'est repenti finalement. Un prédicateur dans la cendre. Est-ce juste? Voici Bildad et tous les prédicateurs au temps de la moisson, au temps de l'onction, avec des signes et des prodiges. Seigneur, bénis-nous ici. Il a dit, non, il a dit, allez faire ce que Job a fait. Et dites-moi que vous vous détestez vous-même. Dites-moi que vous n'êtes pas bon. Et donnez votre nom, comme je l'ai dit avec Jacob un jour. J'ai dit, Jacob, quel est ton nom? Dites-moi. Il a dit, Jacob. Est-ce que vous savez ce qu'il voulait dire? Je suis un trompeur. Je ne suis pas bon. Je suis j'ai volé le droit d'Aînesse. Et il a tenu ferme. J'ai volé le droit d'Aînesse. Bang! Et il a touché alors à la cuisse. À partir de ce moment-là, Jacob marchait autrement. Et il a parlé autrement. Oh, hallelujah. Oh, prédicateur, vous êtes fini. Si vous venez contre les tonnerres, il n'est pas étonnant que vous soyez mort. Chacun de ces prédicateurs qui est venu contre les 7 tonnerres, c'est un prodige que Dieu ne les ait pas tués pour avoir parlé contre Christ et blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont besoin de prières.
Oh là là. Bildad, tu fais ce que Job. Tu fais ce que Job a fait. Parce que Job m'a dit qu'il se détestait, qu'il puait, qu'il était pourri, qu'il n'était pas bon. Et même un tourbillon lui est apparu. Alors Job a pu voir le tourbillon là où il n'était rien. Ainsi, nous avons besoin du tourbillon ici pour voir que nous sommes rien aux yeux de Dieu. Toutes nos œuvres et tout ce que nous avons fait, tout notre légalisme, tout ça n'est rien. Je m'habille comme ceci, je fais cela, cela n'est rien. Mais je veux aller vers ce gars-là. Le self, le moi qui doit mourir. Alors Job se détestait lui-même lorsqu'il a dit à Bildad de faire la même chose. Lorsque vous faites cela, alors allez vers Job et Job priera pour vous. Amen. Et peut-être que vous recevrez la même bénédiction. Parce que Job a eu une double portion. Il a retrouvé ses filles, ses fils. Une double portion de tout ce qu'il a perdu. Une double portion. Il avait la bénédiction du pays, de la terre. Alléluia. Judas au sud, l'autorité. Joseph au nord, la double portion, la bénédiction du pays. Et Caleb au milieu, donne-moi ma montagne. Et voilà où nous sommes maintenant, sur la troisième phase. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Nous y voilà. Amen. Laissez-moi vous le dire, si vous me considérez comme un fanatique à partir de ce soir, la même chose dont je parle s'accomplira. Il y aura une puissance qui vient dans l'église et elle entre maintenant où le Saint-Esprit va tellement oindre les gens, vous serez oint. Au point où ils vont parler la parole et elle va se créer comme cela. Nous n'avons pas encore vu la puissance. Elle vient dans l'église maintenant. Je le sais comme un fait. Dites à cette montagne, déplace-toi. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais si vous croyez ce que vous dites, s'accomplit. Vous le verrez. Vous pouvez avoir ce que vous avez dit, non pas ce que j'ai dit, mais ce que vous avez dit. Le placement de l'église en position où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit viendra dans l'église. Alors, non pas avant, la bouche des critiques sera fermée. 18 ans? Non, laissez les critiquer. Dieu a laissé de la place pour qu'ils critiquent. Mais lorsque cette puissance viendra, alors la bouche des critiques sera fermée. Fermée! Alléluia! Effacé. Gloire à Dieu. Quand ils verront la même puissance que Malachi 4 avait. Alléluia. Avec les trois poules. Quand ils verront cette puissance, cette épouse arrivant. Lorsque la pression descendra. Alors observez le troisième poule. Alléluia. Vous n'avez pas encore vu la puissance. Gloire à Dieu. La bouche des critiques sera fermée. Ce sera un temps court. Jésus est descendu de la montagne et est allé directement au calvaire. Remarquez, ça ne durera pas longtemps, mais ce sera là. Alléluia! Gloire à Dieu! Croyez-vous ceci? Amen. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Nous allons terminer, gloire à Dieu. Ainsi maintenant, donne-moi cette montagne. La troisième phase est ici, je le crois. Amen. Possédez votre héritage individuel. Maintenant, Josué. Maintenant, je termine maintenant. Caleb reçoit son héritage individuel. L'épouse de type, l'épouse de Caleb. Vous voyez dans la parole parlée, semence originelle, page 58, la prophétie. Maintenant, je donne cette citation, prédicateur. Ainsi, notre Caleb est notre type. Et Caleb était le seul individu dans la tribu de Juda qui s'est avancé et qui a dit, donne-moi ce mont Hébron. Est-ce correct? Maintenant, ça veut dire quelque chose. Et les autres étaient ces cinq filles qui ont demandé leur héritage aussi. Ainsi, cinq filles et Caleb. Et les autres étaient satisfaits dans le message. Alléluia. Et cinq vierges sages ont demandé leur héritage. Et Caleb a demandé son héritage. Et toutes les tribus étaient dans le message. Gloire à Dieu. Moïse était avec nous ici. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Sortez de cette église morte. Eh bien, gloire à Dieu. Alléluia. Caleb représente le véritable croyant qui est resté avec Josué. Josué aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'intelligence, la pensée de Christ. Malachi 4, les sept sceaux, les sept tonnerres étaient la mécanique. Et maintenant la dynamique et l'héritage pour l'épouse. Malachi 4 était le temps de l'œil prophétique. Voir, révéler les sept sceaux, les mystères des sept tonnerres. Amen. Le Fils de l'homme
le pays des promesses de la Bible, le nouveau pays, le Saint-Esprit. Le prophète vous a ramené à la parole. Dieu l'a dit. Voilà votre promesse. Prenez-la. C'est le nouveau pays. C'est une promesse. Et Josué partage l'héritage pour Caleb, le type de l'épouse aujourd'hui. Je termine maintenant ici pour la cassette. L'intelligence est Christ, l'héritage, la pensée de Christ. Répartit la dynamique sur votre mécanique. Et Josué, le Saint-Esprit aujourd'hui, fait les trois choses ici. Il les amène dans le pays, numéro 1. Numéro 2, et c'est la victoire contre tous les ennemis. Dans le combat, et numéro 3, il répartit, il partage le pays. Il met en ordre les vainqueurs. En d'autres mots, c'est le placement du Fils à l'ultra position de puissance et d'autorité. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Oh, les têtes sont pleines. Ils essayent de s'imaginer. N'essayez pas de vous imaginer. C'est juste c'est sur la cassette. Alléluia. Criez simplement. Gloire à Dieu. Je mets tout ça pour la cassette. Vous avez prié pendant les années. Mais maintenant, c'est l'héritage qui est réparti. Amen. Vous commandez aux démons de sortir de ma montagne. Sortez d'ici. Gloire à Dieu. Pow. Amen. Maintenant, remarquez, l'héritage est donné à des individus. Maintenant, quand il a fait cela, il ne devait pas attendre jusqu'à ce que toutes les tribus soient en sécurité dans leurs portions respectives. Je ne dois pas attendre Jeffersonville ou Tucson ou Tulsa ou Fort Wayne ou n'importe qui. Je suis à New York City, ici, et je peux m'avancer en disant, maintenant, donne-moi ma montagne. Je ne dois pas attendre aucun prédicateur, personne. Personne. Alléluia. C'est Christ et moi seul. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, Caleb de la tribu de Juda, son héritage était séparé parce que Caleb ne voulait pas que son héritage soit mélangé avec ces gars-là. Il a dit, donne-moi ce qui m'appartient. Amen. Maintenant, ils étaient informés exactement de la location précise de la section qui leur avait été donnée, le titre divin, l'autorité. Le titre de propriété, l'autorité pour chasser les géants. Et Caleb avait le test le plus dur, les trois fils d'Anak, un tas d'intellectuels dans le message. Numéro 2, la guérison, les signes, les prodiges et les miracles pour les enfants. Faire sortir les ennemis de votre famille. Les chasser. D'abord, après avoir vaincu, ensuite donner le titre divin, afin que nous puissions aller de l'avant et posséder les portions individuelles dans le pays promis. La portion individuelle. Caleb s'est avancé dans Josué 14. Pas le temps, il a présenté sa réclamation d'Hébron pour sa propre possession dans la tribu de Juda. Pourquoi? Josué 14, 7. Il a dit, c'était dans mon cœur, non pas dans ma tête. Oui, monsieur. Alléluia. C'était dans le cœur de Caleb. Dieu était pleinement capable de lui donner ce qu'il lui avait promis. Et alléluia, c'est dans mon cœur. Gloire à Dieu lorsque Malachi 4 a dit, c'est la dynamique pour votre mécanique. Ce n'est pas aller là, c'est aller ici. Peu importe combien de temps cela prend depuis 65, 66, 67, 71, 12, 80, alléluia, c'est dans mon cœur. Cela a pris 40 ans à Caleb, alléluia. Ça fait seulement 28, 29 ans. Amen, alléluia, c'est dans mon cœur. Est-ce que c'est dans votre cœur? Amen, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu avait créé cette foi dans le cœur de Caleb. Si vous lisez votre Bible, il est dit que Caleb avait un autre esprit avec lui. Est-ce correct? Vous qui lisez la Bible, cette promesse brûlait dans son cœur. En d'autres mots, son cœur était fixé sur le pays promis. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il avait marché dans le désert pendant toutes ces années. Et maintenant, je peux l'imaginer en train de marcher dans le désert et levant les yeux, se tournant vers le nord. J'ai marché vers cette montagne assez longtemps. Je peux le voir en train de marcher vers le nord. Première année, la deuxième année, la quinzième année, la vingtième année, toujours en train de regarder vers le nord. Cela brûlait dans son cœur. Je serai adopté. Je serai scellé. Mes enfants viennent. Gloire à Dieu. Malachi 4 l'a dit. Je ne vais pas faillir. Je ne vais mourir pas dans le pays. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vais pas abandonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner, mais c'est le temps de tenir ferme. C'est le temps d'aller de l'avant. Allons, Johan, tiens ferme. Va de l'avant. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. May be seated.
Son cœur était fixé sur le pays promis. Le Saint-Esprit aujourd'hui, son trésor était là. Et ainsi son cœur était fixé sur la promesse. Amen. Je peux vous regarder, voir où se trouve votre trésor. Est-ce qu'il est dans le monde ou est-ce qu'il est en Christ? Je peux voir comment vous vivez, comment vous marchez, comment vous parlez, où se trouve votre trésor. Si vous êtes sorti du monde, si vous êtes toujours là en train, si vous désirez de retourner votre trésor dans le monde, mais gloire à Dieu. Si jamais vous recevez une dose, gloire à Dieu, du baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode et qui tue le péché, alors votre trésor sera dans le pays promis, non pas dans le monde, et même pas dans le désert. Amen, Rudy. Gloire à Dieu, amen. Gloire au Seigneur. Sortez du monde, gloire à Dieu. C'était son espérance au travers des 40 années. Il devait passer ce temps avec ses amis incrédules dans le désert. L'incrédulité avec les 10 espions, 10 verdicateurs qui avaient fait fondre le cœur des gens. Et ainsi, depuis 1965, des faux oints ont fait fondre le cœur des gens dans le message. Ils ne veulent pas donner la perfection, l'adoption, laisser de tonnerre, rien. Ils les ont fait fondre. Qu'est-ce que nous faisons là? À cause de ces espions, les prédicateurs, ils ont fait fondre le cœur des gens. Aucune foi. C'est parce qu'ils n'ont pas prêché la foi. Amen. Ils ont marché par la vue en ayant peur des géants. Nous ne pouvons pas le vivre, rien d'autre. Nombre 13:30. Et Caleb fit taire les gens devant Moïse en disant, montons immédiatement et fermez-la, vous bande de fous. Possédons le pays car nous sommes plus que capables de nous en emparer. Alléluia, alléluia. Jeunes gens, montons immédiatement. Peu importe combien de modes du monde, combien de diables, combien de styles, combien de robes, combien de coupes de cheveux et d'afro et tout ce que vous voulez, montons et possédons le pays. Combien de pantalons bouffis et autres, gloire à Dieu, ou de longs paletots, gloire à Dieu, avec de larges épaules et des larges chapeaux. Mais allons nous emparer du pays. Alléluia. Même si vous avez votre meilleur complet, gloire à Dieu, il peut vous donner votre baptême du Saint-Esprit et vos petites sœurs avec votre mini-jupe, gloire à Dieu. Si vous êtes prédestinés, Dieu est capable de vous remplir. Alléluia. Alors que vous préparez à couper vos boucles pour les égaliser, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit peut venir sur cette main, gloire à Dieu, et l'ôter de là. Alléluia, gloire à Dieu. Oh là là, vous pouvez vous asseoir. Moïse s'est tenu là, écoutez Josué, écoutez Caleb. Moïse a dit, mon Dieu, alléluia. Moïse a crié. Il savait qu'il n'allait pas. Il a regardé de loin, gloire à Dieu, mais il a dit, mon Dieu, cet homme croit. Alors Moïse a dit, Josué, certainement le pays que vos pieds ont foulé seront, ce pays sera votre héritage. Amen. Georges, et Malachi 4 a dit, bien sûr, le pays que vous croyez, Malachi 4 comme Élie. Amen. Est-ce que je vous ai amené les promesses? Amen. Est-ce que vous les avez foulées aux pieds? Est-ce que vous avez marché dessus, vous avez posé votre pied? Est-ce que vous les croyez? Alors ce sera votre héritage. Aucun démon, Paul, ce sera ton héritage. Yes, sir. Oui, monsieur. Glory. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Certainement, ce même Saint-Esprit, pouvez-vous lever, j'ai terminé, que vous avez senti sur vous maintenant même, qui vous oint pour prêcher, qui vous oint pour vivre, marcher, parler, crier, louer. Un jour, vous allez en recevoir la plénitude pour votre héritage, l'autorité, la puissance. Alléluia, gloire à Dieu. Israël était ignorant des promesses de l'adoption. Ainsi, Caleb cite ici les promesses de Dieu, comme elles étaient enregistrées dans Deutéronome 1, 36 et ses enfants. C'est dans la Bible. Et Caleb avait la révélation de l'adoption. Et il a donné la citation. Alléluia, lorsqu'il est arrivé là, au Saint-Esprit qui était Josué. Il s'est avancé vers le Saint-Esprit, l'intelligence, la pensée de Dieu. Et il a dit, un jour, il y a 40 ans, gloire à Dieu, j'étais là et Josué, tu en es témoin. J'ai dit à Moïse, alléluia, et Moïse a dit, que le pays que vous avez foulé, il sera vôtre comme héritage. Alors il a dit, également mes enfants, je veux que mes enfants reçoivent le Saint-Esprit. Je veux qu'ils aient leur héritage. Alléluia, alléluia. Et Josué a dit, c'est juste. Je te donne ce pays. Caleb, je vois que tu n'es pas un petit faiblard, gloire à Dieu.
une petite poule mouillée. Vous n'êtes pas une poule mouillée, mais tu as pris l'endroit le plus dur. Il y a trois grands géants là. Il a dit, je suis aussi fort aujourd'hui que je l'étais auparavant. Gloire à Dieu. Descendez de mon pays, gloire à Dieu. Et vous savez quoi? Caleb était le seul à chasser les ennemis de son pays. Lisez votre Bible, toutes les autres tribus. L'ennemi ont été des squatteurs jusqu'à ce jour, il est dit. Seul Caleb. Et voilà pourquoi c'est Caleb. Alléluia. Voilà pourquoi posséder votre héritage individuel dans le pays promis. Voilà pourquoi je vous exhorte aujourd'hui, n'abandonnez pas. Efforcez-vous d'être adopté, d'être placé positionnellement. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Caleb ne voulait pas que sa portion soit mélangée avec l'héritage général. C'était la promesse de Dieu qui avait été transmise par Moïse et accomplie par Josué. Répartir, vaincre l'ennemi et ensuite partager le pays. Et aujourd'hui, toutes ces promesses ont été révélées par Christ, fils de l'homme, au travers de Malachie 4. Et elles sont accomplies par notre Josué, le Saint-Esprit, la pensée de Christ, l'intelligence. Elles vont l'accomplir. Alléluia. La dynamique sur votre mécanique. Ok, je termine. Nous allons commencer à crier, frère. Alléluia. Le mot Hébron signifie la communion. Et Abraham était là un jour. La communion avec Dieu. Maintenant, le mont Pyramide. Au sommet du mont Pyramide, il est si dur de grimper là parce que vous devez mourir à votre chair, à votre esprit humain pour arriver au sommet, là où se trouve la charité. Et là, vous avez la communion avec Jésus-Christ. Vous et lui, vous êtes un. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Au sommet du mont Pyramide, la communion avec la charité au sommet, c'était la récompense pour celui qui a pleinement suivi le Seigneur, qui a persévéré en accomplissant son devoir, qu'il soit malade, fatigué, épuisé, avec l'opposition des prédicateurs dans le message, menacé par le message entier, par toute l'assemblée, 2 ou 3 millions de personnes. Alléluia. Ce qui nous prouve que ceux qui sont entièrement pour Dieu ne doivent pas s'attendre à être populaires, non, 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 ni avec leurs frères. Néanmoins, c'est l'héritage individuel. Le mont Hébron était l'endroit de communion de Caleb avec Dieu. Ainsi, le mont Pyramide est l'endroit de notre communion avec Christ au sommet de la pyramide. Et la charité est notre héritage individuel. Ainsi donc, donne-moi cette montagne. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, venez, vous les Caleb, gloire à Dieu. Les Caleb de ce jour peuvent s'avancer sur la troisième phase, après être né de nouveau, alléluia, après avoir vaincu, ajouté, grandi, et le Saint-Esprit sur la troisième phase, met en œuvre vos vertus, alors vous êtes né positionnellement en faisant votre réclamation. Comment réclamer? Amen. Parce que le fait d'être engendré est seul un signe de réclamation, parce que votre expérience avec 2 Pierre 1, 4, à 7 se compare avec le message, la parole de Malachie 4 pour la saison. Alléluia. Et les 7 tonnerres ont révélé que notre expérience avec 2 Pierre 1, 4 à 7 est celle de la parole au travers des 7 âges de l'Église qui nous ramène à la foi pentecôtiste originelle, la doctrine apostolique. Alléluia. Ainsi, sur la troisième phase, nous demandons notre position, nous pouvons réclamer notre héritage. Amen. Et lorsque l'Église trouve son affection fraternelle, sa sainte décence et sa place en Christ, elle appellera les autres membres du corps. Venez vous réjouir avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, quelle heure est-il, messieurs? C'est le temps de posséder votre héritage individuel. Alléluia. Ainsi donc, donne-moi cette montagne aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Puisse-t-il déverser son esprit ici aujourd'hui? Qu'il vous bénisse à Penn Harris. Courbons la tête. Dieu Tout-Puissant, jouez quelque chose de doux. Amen. Père, nous nous sommes tenus ici en train d'œuvrer alors qu'il fait chaud et nous sommes fatigués. Maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur les gens. Seigneur Dieu, puisse-t-il posséder leur héritage individuel dans le pays promis. Que chacun devienne un fils adulte où il peut être mis en position d'autorité et de puissance. Oh, hallelujah.
Et Seigneur, ces signes de Frère Ortiz et le petit Conata, le garçon, et Galvez, et le garçon Coleman. Amen. Et maintenant, Seigneur, Sœur Nelly ici, 5 signes directs pour cette église de New York. Oh Dieu, puisse-t-il s'ouvrir maintenant? Puisse-t-il lever les mains vers le ciel? Puisse-t-il sentir l'onction qui descend? Seigneur Dieu, bénis tous les prédicateurs qui sont rassemblés ici d'Afrique et d'où qu'ils viennent, d'Europe, d'Amérique du Sud, de Porto Rico, d'où qu'ils viennent. Bénis les gens qui sont rassemblés ici de France, d'Allemagne, d'Angleterre et d'Hollande, de partout, et d'Italie, d'où qu'ils viennent, Père. Oui, Monsieur, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, et de Tchécoslovaquie. Seigneur Dieu, puisses-tu déverser le Saint-Esprit maintenant ici. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, Seigneur, ceux qui cherchent un scellement, puisses-tu avoir ton chemin avec eux maintenant même, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, déverse le Saint-Esprit sur eux. Bénis toute cette journée qui reste, Seigneur. Bénis chacun, donne-leur un bon voyage jusqu'à Penaris. Et Seigneur, maintenant, qu'il y ait une autre expérience de la chambre haute à Penaris. Oh, alléluia. Seigneur Dieu, puisses-tu tirer les jeunes, puisses-tu tirer tes fils de Dieu, que chaque Caleb, alléluia, gloire à Dieu, que chaque Caleb soit scellé et qu'il reçoive la foi et le courage d'avancer. Confirme le Seigneur avec des signes, des prodiges et des miracles. Dans le nom de Jésus, nous prions dans la bénédiction. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. I'm pressing on with all I know. I'm pressing on. Oh, come on, Caleb. All I know. I'm pressing on to that city where the mansion's prepared for me. Come on, everybody. On. Amen. All I know. I'm pressing on. Turn around and tell somebody, well, I'm pressing on, on. All I know, I'm pressing on. Hallelujah. Oh, all I know, I'm pressing on. God's city, where a mansion's prepared. Well, I'm pressing on, on, on. I'm pressing on, on, with all I know, I'm pressing on, oh, on, all I know, I'm pressing on, to that city, where a mansion's prepared for me, oh, I'm on my way to Canaan land. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way. Praise God. Come on, Spanish brothers and sisters. Oh, Camino voy a Canaan. Camino voy a Canaan. Camino voy a Canaan. Gloria a Dios. Come in, Gloria a Dios, Celia.
one more time. I'm on my way to Canaan land. Nothing gonna stop you. You're marching. Well, the walls are falling down. Hallelujah. You sound so good. I'm on my way. Pray. And one more time, I'm pressing on. Oh, I'm pressing on. On with all I know. I'm no distraction now. Oh, with all I know, I'm pressing on to that city where a mansion's prepared for me. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. As we get ready to close out, just a couple of announcements. We have to be out by 2:00.